Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le micro est bien. Dès le début, je sais pas du tout si c'est bien parce que j'ai fait des changements au niveau du micro, du coup j'espère que c'est bon. Bon, si jamais le micro est correct du coup et que vous m'entendez comme il faut, salut monde du vidéo, salut Arc, salut Arcio, salut Gogu, salut Anaïs, salut Ago, salut Yo, salut Dig, salut Kanata, salut Méchant, salut Antoine, salut à tous ceux qui arrivent, hein, installez-vous tranquillement, salut West Coast également. Nickel le son, ok nickel, salut, comment ça va Tyrannosaurus? Comment est-ce qu'il va? Salut DiCaprio également, hein, salut Nat, salut à tous ceux qui se posent tranquillement, installez-vous sur ce stream. Nouvelle soirée, bien évidemment, ça va être juste incroyable. Salut la commu, salut Stormlux, comment ça va là? Ouais, j'ai fait des petits essais, des petits changements de micro parce que c'est le retour, bien évidemment, de la commu, tu connais bien évidemment. C'est juste incroyable, donc voilà, j'espère que vous êtes chaud ce soir, salut Barbie également, hein. Bonjour à tous, hein, posez-vous, installez-vous, voilà. Oh là là, petit Nico, oh là là, c'est incroyable. Bon, du coup, j'espère que vous êtes chaud ce soir. Comme tous les mardis soirs, on va faire notre petit 100% challenge d'une map qui s'annonce tout juste incroyable. Donc, j'espère que vous êtes déterminés, bien évidemment, pour checker ce stream, que vous êtes correctement installés. Parce que là, on va aller souffrir un peu du fait qu'on va aller sur une map que je ne connais absolument pas, pas du tout. Ça va être juste incroyable. On va essayer de faire ce qu'on peut, du coup, hein, de bien se débrouiller. Parce que je sais que chaque mardi soir, du coup, on va sur une map zombie, on fait tout ce qu'il y a à faire sur une map en dehors de son secret. Parce qu'on a l'habitude de voir le secret de telle et telle map. Mais on voit jamais ce qu'il y a en secondaire. On voit jamais le contenu des maps secondaires. Quand on a fait Zetsubou no Shima il y a 2 semaines, je crois, c'est un truc comme ça. C'était juste incroyable. On s'est rendu compte que la map, elle était beaucoup trop riche en termes d'autres contenus que le secret principal ou un run. Et du coup, bah voilà, on fait ça sur toutes les maps. On a déjà fait toutes les maps de Black Ops 2. Sur Black Ops 3, on a fait Shadow Dare ZNS. Là, du coup, on va s'attaquer à Gorod Crovi, un petit peu, map avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. On va essayer de faire ce qu'on peut. On va essayer de faire ce qu'on peut, surtout qu'il y a des trucs que je suis arrivé, j'étais en mode... Il y a un secret pour améliorer les singes sur Gorod Crovi? D'accord, il y a 3 musiques sur Gorod Crovi? Ok. On peut améliorer la frappe de dragon sur Gorod Crovi? J'étais au courant de rien, j'ai vu tout ça, j'étais en mode... D'accord, bah, je connais pas, donc je promets pas de le réussir ce soir. C'est le premier soir où je pars vraiment en mode... Je sais pas si je vais y arriver en fait, je sais pas, parce que je connais pas la map, je connais rien, j'aime trop peu cette map, donc on va essayer de faire ce qu'on peut, mais ouais, il y a beaucoup de choses à faire, comme à chaque fois, il y a la commande pour l'annexation challenge dans le chat. Salut Fanta hein, également, salut à tous ceux qui se ramènent tranquillement, bienvenue à tous, c'est tout juste incroyable, et puis bah n'hésitez pas à faire péter le Daily Sub Goal ce soir, ça ferait plaisir, bien sûr, hein, bien sûr, évidemment. C'est Xav Party, hein, salut à tous ceux qui arrivent, appelle Dexter. Ouais, j'avoue que j'appellerai au petit Dexter, j'appellerai au téléphone, je ferai bon Dexter, tu peux pas venir sur Discord, en fait, j'ai un peu de galère avec ta gore... Gord Crobit, là, ta truc, hein, c'est bon, là, hein. ta dédicace. Mais non, attends, Akimis. Mais non, Aki, qui nous fait une dédicace à Tyranny et à Anaïs avec 10 000 pièces. Putain, mais l'argent, c'est incroyable. Bah, du coup, voilà, dédicace à Tyranny, Anaïs de la part de Aki. Et merci beaucoup, Dig, pour tes 320 bits. Merci, la commu, ça fait plaisir. Merci beaucoup, je te remercie pour ton cheer, ça fait très plaisir. Voilà, merci beaucoup, tu tiens la chaîne, etc. Surtout que là, on est à la fin du mois, c'est le moment de faire péter le Beats Goal. Et pourquoi pas, oui, le Daily Sub Goal, optionnellement, bien évidemment. Je ne dis pas non. Voilà, si vous avez des subs, des primes ou quoi, n'hésitez pas à tout lâcher pour mettre. La daronne en Tesla. Là, c'est bon, j'ai retrouvé mon voice mode, là, ça repart en couille, hein, je vous le dis. Et dédicace de le sombre, dédicace à tous les donateurs et tous ceux qui donnent des subs. Merci beaucoup, le sombre, pour cette dédicace, ma foi, fort sympathique et tout juste forte. C'est chaleureux. Voilà, merci beaucoup. Voilà, voilà. D'ailleurs, d'ici peu, il y a moyen qu'il y ait un recrutement de modérateur Twitch Discord, puisque je suis en train de faire le Discord à 9. Suite à quelques plaintes, etc. Donc voilà, il y a Ago qui va m'aider, hein. Bien sûr. Ago, c'est le. Ouais, c'est littéralement en fait le bras droit des chaînes. En fait, c'est le bras droit de tout. De la modération Twitch, de Discord. C'est voilà, c'est tout. C'est incroyable. Donc voilà, il y aura une refonte du Discord, tout simplement. Et il y aura des recrutements de modération, etc. Donc voilà. T'es comme un gamin avec ton voice mode. Pas du tout. Jamais, jamais, moi. Moi, jamais. Je vois pas de quoi tu parles, hein, tout simplement. Bon, c'est juste Carnaval également à ST, votre patron, bien évidemment, hein, tous les fidèles, hein, salut également, Xalkes, Exi, comment ça va? Comment ça? Tu commences quand? Bah, on a déjà commencé, je sais pas si tu vois, mais on est en live, là, actuellement. Ça a commencé, en fait, là, je suis en train de parler, ça a commencé, hein, voilà. Voilà, voilà. Ça va être au Razou. Comment ça va? C'est pour ça que je ne vois plus ton serveur Discord. Non, tout le monde va le serveur Discord encore, là, moi, j'y suis encore dessus, voilà. Et donc non, ça vient littéralement de toi, hein, si tu vois plus, parce que t'as dû le quitter ou je sais pas, tu sais, je ne sais guère. Mais moi, je te rassure, le serveur est toujours online, voilà, 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 c'est Erox également, hein, c'est le dessus qui arrive. Non, tu live pas, c'est une rediff. Ah oui, merde, c'est une rediff. Ah,
Ah, c'est vrai que c'est une rediffusion, vous regardez actuellement. Je vous réponds en live, mais c'est une rediff quand même, t'inquiète. Voilà. Ou alors t'es banni. Ou alors tu t'es fait ban pour non-respect de la communauté, ce qui est aussi probable, je ne sais guère. Je ne sais guère, mais je vous rassure, le serveur est toujours, toujours disponible. Bon, c'est pareil, je sais pas si vous avez check ce soir, nouvelle vidéo sur Flapix TV. Un gun game tout juste magnifique, un jeu d'armes, voilà, sur la chaîne secondaire. N'hésitez pas à aller check ce jeu d'armes, ça ferait bien évidemment très plaisir. Salut, c'est quoi ce soir? C'est écrit dans le titre. C'est écrit dans le titre. Je dis comme ça, tu entendras peut-être mieux avec un mégaphone. Quand même, quand même. Mais ouais, voilà, on va aller tester de faire ce qu'il y a à faire sur Sugrod. À mon avis, ça va être sympatoche, évidemment. Putain, ils sont à l'affût dans le chat. Bam, point d'installation titre, ça part direct. Vous en pensez quoi du boss fight de Kino? Trop bien, franchement, le boss fight de Kino et le secret de Kino, incroyable. C'est un des meilleurs secrets, franchement, qu'on se le dise, hein, c'est fou. Salut Phoenix, hein, salut à ceux qui sont là. Et bon, j'espère que vous avez checké le planning de la semaine, bien sûr, pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme live et qu'est-ce qu'il y a comme vidéo, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, voilà, quoi. J'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est qu'il faut faire péter ce daily sub goal. Je veux qu'il y ait du prime, du sub, du n'importe quoi, tout ce que vous voulez, faut mettre la daronne. Oh, tout cela, ça ferait plaisir, évidemment. Ah là là. Ou bien évidemment, je peux faire comme ça aussi si tu veux. Enfin voilà, je m'amuse, j'ai retrouvé mon voice mode, je suis heureux. D'ailleurs, je vais mettre à jour la soundbox, j'attends juste de recevoir le Stream Deck XL pour mettre encore plus de sons sur un seul affichage. Ça va être incroyable, vous allez voir, ça va être trop bien. Un secret sur Kino, ouais, un secret tout juste incroyable, franchement. Tout juste insane, franchement. C'est assez ouf le secret de Kino, donc je vous conseille de le faire si vous ne le connaissez pas. Il y a un super tuto de la part de Kenshin, voilà. Un jour avant le grand jour. Demain soir, c'est vrai que dans le live de demain soir, je vais pleurer en fait. Pour ceux qui veulent voir chier en live, no fake, je vais vraiment pleurer en live demain soir, je vous préviens. Juste là, y penser, j'ai les yeux qui brillent un petit peu, tu vois, j'ai pas envie d'y être. Enfin, j'ai envie d'y être, mais pas... Oh. Ah, ça va être dur demain. Ça va être horrible. Ah, oh. Oh, putain, merde. Hein. Crotte de bic. Oh là là. Là c'est quoi la musique d'intro custom zombie, je la kiffe. C'est sur Epidemic Sound et c'est... Ouais. J'ai pas le titre, j'en sais plus. Je sais plus, putain. Horrible. Pourquoi tu as pleuré? Le planning, bien sûr. Merci Mister Diego pour le follow, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, installe-toi. Qu'est-ce qu'il y a demain? Bah voilà, tu vois, tous ceux qui disent, mais qu'est-ce qu'il y a demain? Qu'est-ce qu'il y a? J'en fais virer ma caméra. Le planning. Bien évidemment, bordel. J'adore taper sur mon bureau, ça me défoule, voilà. Merci Flappy, tu donnes des super réponses. Tant mieux, ma foi, tant mieux, voilà. Tu gères, merci Flavio, ça fait plaisir. Dis bon, je pense qu'on va pas tarder à partir du coup sur God Quarry pour tenter de faire tous les secrets. Tu as fait trembler l'appart. Ah ouais, Xy, attends. Non, j'allais taper au sol, mais c'est vrai qu'on a des voisins en dessous, donc j'ai peut-être éviter. Hop, j'ai envie de changer de musique, là. Qu'est-ce qu'on a comme musique qui nous attend, là? Ça, je crois que j'aimais bien. Ah, elle était très cool. Bon, bien sûr, comme à chaque fois, si on arrive à faire tous les secrets... Non, mais je rigole pas, MDR. Ah, d'accord, ok, bon, bah, j'ai évité de taper trop fort, ça fait vibrer tout l'appart. voilà, on a juste la flemme d'aller voir le planning. Eh bah, pas de soucis. Tu me diras du coup quand t'auras plus la flemme, voilà, tu pourras revenir à simple soupe. Ta touche va mieux. Ouais, du coup j'ai viré ma touche S, j'ai remis la touche S et c'est nickel, le clavier marche trop bien, je suis trop content. Je sais plus ce qu'il disait du coup. Ah oui, comme à chaque fois, si on arrive à faire tous les secrets dans la partie, il y aura la rediffusion. Si on fail, eh bah il y aura pas de rediffusion. Donc voilà, si jamais vous voyez ça sur la chaîne secondaire Flapix CV, bah lâchez votre like, bien sûr. Surtout, vous me spammez les likes hein, si vous êtes sur la rediff. Et voilà, donc si vous êtes sur la rediff, ça veut dire qu'on a tout réussi. Et si jamais il n'y a pas de rediff, c'est-à-dire que je parle pour rien actuellement, quoi, tout simplement. Voilà. Ah, sale fou, qu'est-ce qu'il y a là? Sale folle, la Dixie. Bordel. Bon. Alors, je me suis préparé du coup, parce que bien sûr, pour Nexation Challenge, tu vois tous les secrets qu'il y a à faire sur Gorod Crovy. Bien sûr, ceux que je connaissais, que j'ai trouvé sur Internet. Mon Storm, si t'es là, laisse me dire si j'en ai oublié. Et voilà, vous voyez du coup qu'on va faire le pack à punch, crafter le shield, la frappe de dragon, améliorée, le shield amélioré, le gauntlet. La musique, première musique, deuxième musique, troisième musique. Le casque de broyeur, le casque de valkyrie, les ailes de dragon, les singes améliorés et en bonus, et bah tout simplement, faire une manche 50. Voilà, faire une manche 50 tout simplement. Et bah c'est en dehors du secret principal, hein. Les runs c'est en dehors des secrets. Donc c'est pour ça que je prends Dolus bonus, histoire d'être chill, d'être tranquille et de pas me casser les couilles. Voilà, tu vois, tu as compris.
Par contre, je pense que du coup, niveau gobble, j'ai des boîtes et des points. J'ai de l'us, c'est bien. J'ai shopping aussi si j'ai besoin. En vrai, j'hésite même à mettre des bonifications ou des liquidations pour voir les Mark 3. Peut-être que les Mark 3, je vais les choper dans, avec Raindrops dans les boîtes. Je sais pas, je sais pas. C'est quoi, on va tenter ça. On va tenter ça et on va aller du coup sur Grand Quarry pour essayer de faire tout ce qu'il y a à faire sur cette foutue map, bordel. Tac. Et Starkan, merci beaucoup pour ton re-sub. 7 mois consécutifs dans la communauté, merci pour ton sub, c'est tout juste incroyable. Et off la pique, toujours un plaisir de te suivre, bah, toujours un plaisir de recevoir ton sub du coup. Bah écoute, on va passer par quatre chemins. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait ça me fait très très plaisir. Et merci Xav Party qui offre un sub à la commu. Je vous promets que je vais mettre tout le temps le mégaphone dès qu'il y aura du sub, hein. Clairement. Merci beaucoup pour ton sub, ça fait très plaisir. Sub offert à qui? Merci Bertu également pour le follow. Tu as offert un sub à Orphelin. Merci beaucoup pour ton sub. Ton sub offert, cela me fait très plaisir. Salut Flavien, hein, salut à tous ceux qui arrivent dans cet enregistrement pour YouTube, bien évidemment. La PixCV, j'espère que vous êtes chaud pour ça. Que tout se passera bien. Qu'on réussira nos secrets. J'adore les voice effects. Moi aussi j'adore ça. Easy. Juste incroyable. Juste incroyable. Bon, God Crovy, c'est entre toi et moi maintenant. Qu'on doit. On s'affronte. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme défi déjà? Avec le jet. Ouais, ok. Tu es sans zombie avec une frappe de dragon. Et. Ok, je pense que les défis, on pourrait essayer de les faire aussi vite fait. En vrai, ça peut se faire, écoute, ça peut se faire. Bon, c'est rien qu'on ait shopping dès le début, malheureusement, on n'a pas shopping. Que c'est dommage, en entité, c'est pas fou. Et merci Anaïs pour le sub offert. C'est tout juste incroyable. Exaf Party qui offre un sub à la commu. Merci beaucoup, du coup. C'est tout juste incroyable. Anaïs qui a offert un sub, du coup, à Days Case. Et Xav qui a offert un sub à XV2 Monkey. Merci beaucoup et merci Oscar pour ton follow en tout cas. Ça fait, je vous remercie, ça me fait extrêmement plaisir. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Donc, antithèse alchimique, je m'en fiche un peu. On va du coup, en l'occurrence, bah, passer la manche pour avoir un shopping gratuit et essayer d'ouvrir un maximum de portes, bien évidemment. Pour, bah, parce qu'on doit sortir de la first room peut-être pour faire tout ce qu'il y a à faire sur God, mais je vous rappelle, hein, sur le chat Twitch, point d'exclamation challenge, bien évidemment, si vous voulez checker. Salut, Shikashi TV, comment tu vas? Comment tu vas, mon frérot? Hop. Merci toi, nous, pour le follow également. Parce que, ouais, on a quand même pas mal de choses à faire. Pendant la session challenge et Nightbot, on voit la liste de tous les secrets secondaires et choses à faire sur cette map God Crovy. J'ai juste oublié de faire les petits défis. On va les faire, mais ils sont pas dans la commande. En mode, je me dis que c'est un petit bonus. Bon, pas obligatoire. C'est quoi la dernière map qu'on a fait? C'était Darius Nitrare. La dernière qu'on a fait. Et on a Chopin gratuit. Le petit Chopin. J'ai chopé Chopin. Hop, allez. C'est parti, les amis. On va essayer d'ouvrir tout ce qu'on peut sur cette map God Crovy. Tac, open door. Alors, je sais pas où passer vraiment cette map. Je suis pas du tout habitué. C'est incroyable, vraiment. Je suis éclaté dessus. Enfin, je suis limite perdu, en fait. C'est fou, cette map. Ah non, là, c'est avec le courant qu'on l'active. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Hop. Tac. Du coup, je vais aller activer le courant vite fait. Et essayer d'ouvrir 2-3 autres portes que je croise par-ci, par-là. Hop. Et j'aimerais surtout faire tourner mon cycle de Gobblegum pour essayer d'avoir au plus vite des Man Célestes pour tenter d'avoir le MK... Le MK3, quoi, tu vois. Non, pas par là, je voulais ouvrir. L'ouvrir par là. Hop. Je vais essayer d'aller ouvrir aussi là-bas, tant qu'à faire, ce serait pas mal. Et je crois qu'il y a une machine à Gobblegum en haut, mais j'aurais pas le temps d'y aller. Oh, remarque, oh, remarque, oh, remarque. Ça va être juste, ça va être très juste, ça va être très short, je sais plus où elle est. Oh non, j'ai Shima Glissade. Oh, j'ai eu le temps. Ouh, bon, à cause de tout, c'est pas mal. C'est déjà ça. C'est le Boxy, comment ça va? C'est également à ceux qui arrivent sur le live. Installez-vous. Posez-vous sur ce stream qui s'annonce tout juste sympatoche. Tout juste cool. Juste. Cool, ouais, cool. C'est un stream qui s'annonce plutôt bien sur God Crovy. Voilà, j'ai pas d'autres arguments à donner pour la qualité de ce stream. On fait ce qu'on peut, hein. Vendez-moi le stream, là, le chat. Est-ce qu'il y a une rediff Zombie World War 2? Non. Que j'aime pas, du coup je fais pas de rediff sur ce jeu. Attends, les pièces de dragon. Attends, soit être là.
Attends, je suis en train de me... Je sais même plus comment on fait le shield sur cette map. Il faut que je... Ouais. Ouais. Faut être par là, je crois. C'est pas là ? Peut-être ? Genre là ? Genre là ? Dexter ! Aide-moi ! C'est où déjà les pièces du shield ? Oh putain, c'était juste là en fait. C'était à droite. Je pensais que c'était sur le mur. Pour faire le shield, faire des dons à Flapix CV. Ah bah, hey, faites des super chats là, j'avoue, sur la rediffusion YouTube. Ah, tant qu'à faire, autant gratter sur YouTube aussi. Tant qu'on y est, autant être un chacal jusqu'au bout. Salut Kino, comment ça va ? Comment tu vas ? Donc, la seconde pièce, où est-ce qu'elle est ? Elle pourrait être là. Elle est là, c'est parfait. Et la première, elle était en bas, juste par là. Par là, par là, je m'en suis. J'ai pris des dégâts là. J'ai pas rêvé, j'ai pris des petits dégâts. Mon perso il a fait un. Prendre des dégâts déjà d'un truc invisible. God, tu vas te calmer. Je voulais dire que je t'appréciais, pas besoin de te venger sur moi. Je t'apprécie, God Crovy. Je t'aime beaucoup même. Non, mais la pièce de shield, c'est où elle est? Je sais qu'elle a un emplacement là. Je sais qu'elle a un emplacement là. Ah, c'est bon. J'ai réussi sans tuto à faire le shield quand même, c'est incroyable. C'est on pensait pas capable. Ok, on a déjà le bouclier. Vas-y, je vais prendre la commande. Je vais me préparer à l'actualiser comme ça, copier mon message directement avec le edit.com. Tac. Comme même, on va y arriver. Hop. Tac, alors pack a punch, je peux enlever le petit logo, parce que je l'ai pas fait encore. Craft shield. Ok les gars, j'ai réussi à faire le shield. Allez, allez la sauce. Hein, on est là, on est présent, we are le smile. Qu'est-ce que je pourrais faire après? On a quasiment tout faire, mais pas tout. Donc je propose qu'on passe la manche pour essayer d'avoir les cylindres pour faire le pack a punch. On se souvient de ça, mec. On se souvient. C'est incroyable. Je suis sûr que même toi, tu t'en souvenais pas. Oh merde, il y a le dragon. Aïe, ok, ça brûle jusque là. Si je prends le shield, je crois que je prends pas de dégâts dedans. Ça, c'est parfait. Il faudrait qu'il y ait des zombies enflammés qui passent dedans pour que je fasse des headshots sur eux. Parce que je dois tuer 10 zombies napalm en headshot. Pour toi. Voilà. Et voilà. Déjà deux. C'est bien. Oh, le cylindre bleu. Alors, je crois qu'on le pose là, le premier, c'est ça. C'est ça. Et là, du coup, ça va me donner un endroit où ça tombe. Enfin, faut que je regarde le ciel pour savoir où est-ce qu'il tombe. Ok, il tombe juste au-dessus. On va aller chercher. Quoi, j'ai un F à côté de mon nom, on a dû t'offrir un sub. Merci Julien pour le follow, bienvenue à toi. Et merci beaucoup. Ah, Wallen Strix pour le sub tier 1. Merci mon frérot, bienvenue à toi dans l'armée des Bomals. Je te remercie pour ton sub, cela me fait très plaisir. C'est très aimable à toi de soutenir la chaîne ainsi. Voilà, c'est franchement c'est très très cool. C'est. J'apprécie le geste. J'ai trouvé des arguments hein. Gentil quoi. Mais bon, on fait ce qu'on peut pour avoir des arguments. Hop. Ah, c'est vrai que ça passe des manches quand tu tues des zombies qui sont attirés par ça. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié. Il va me falloir une arme après, je pense, incessamment sous peu. Ok, c'est bon. Premier truc là pour le pack à punch. Parfait, je l'ai récupéré. On va aller se faire un gobblegum en espérant avoir un petit. Bah du coup un petit man céleste pour les points, pour les boîtes, tu vois, ça peut être cool. Ça peut être très très cool, donc j'aimerais bien un petit... Bah bien sûr j'ai de l'us, hein. Je vais te faire voir le jeu. J'ai compris que tu m'aimais pas. Petit enfoiré. Ce premier zombie, bah c'est vrai qu'on fait un live avec ma copine en zombie jeudi. Bah je sais pas ce que je prépare encore comme map. Vas-y, t'es con, on fait une boîte à 950, tu vas voir, MK3, c'est bon. Tu vas voir, c'est le destin mon pote. Oh. Pas le MK3. Mais... Plutôt cocasse. C'est plutôt nice, tu vois. Plutôt satisfait. Faut peut-être que j'ouvre l'église aussi. Ah, le petit Nico, c'est l'histoire ancienne. Faut savoir évoluer un peu. Ça va passer à autre chose. J'activerai bien une première musique. Sauf si la fin de manche, là. Non, bah vous savez quoi? Je vais me permettre de m'ouvrir une page internet. Hop.
comme ceci. Je vous mets la page aussi, hein, si vous voulez, sur l'écran. Tac. J'irais bien faire une musique au moins, tu vois. Les musiques secrets, etc. Alors, la première musique. On va voir, du coup, c'est des... Ah non, c'est des bouteilles de vodka, la musique Dead and Dead de Clint Sherwood. Ok. Ok, et... Librairie. Vas-y, les gars, on va commencer avec un autre secret secondaire. C'est, tout simplement, la musique principale de la map, Dead and Dead, de Kevin Sherwood. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver 3 bouteilles de vodka, bien sûr, que j'ai trouvé moi-même. Je n'ai pas triché en allant sur Internet à l'instant, c'est totalement faux, c'était un bug à votre écran. Une première bouteille de vodka qui était là. C'est ça, c'est l'activer, le bouton d'activation. Ah, vous êtes un peu trop de zombies, en fait, restant dans la manche. Parfait, j'ai essayé un 2 codes en plus pour faire le prochain, donc ça va être parfait. On va pouvoir enchaîner dès qu'on aura activé la première musique. La deuxième bouteille de vodka, elle était juste là. Et vous allez voir Dead and Dead, qui est une musique que j'ai beaucoup aimée aussi sur Black Ops 3. Là. Hop, je l'ai activée. Et la troisième, du coup, pour la musique principale de God Groovy, elle se trouve juste par là. Là. Et là, normalement, si je ne m'abuse. Audio. Et question de droit d'auteur, on coupe la musique, bien évidemment, on sait-on jamais ce qui peut se passer. Si vous voulez la musique, l'écouter sur YouTube, c'est Dead and Dead de Kevin Sherwood. Restorb. Donc voilà, on a fait un deuxième petit easter egg de cette map, on a déjà activé la première musique, tant qu'à faire, autant qu'on les fasse. C'est simple à réaliser, autant se dépêcher, bien évidemment. Alors la musique 1, hop là. Tac. Je vous ai mis à jour la commande challenge. Voilà, sort nous finit. Sinon, je boude. Oh là, ah ok, c'est ce qu'elle va sur Animal Crossing. Oh là là. Mais donc voilà, la musique qui est fort sympa. Moi j'aime beaucoup. C'est surtout le refrain que j'avais kiffé. C'est chiant parce que je peux pas vous la mettre là, parce que j'ai peur de la démonétisation, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Mais elle est vraiment bien, donc je vous conseille d'aller l'écouter. Ok, le module Groff. Il a appelé et il arrive à la mairie, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il a la mairie, le petit salopio. Donc on va rush la mairie. Hop, 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 hop. Salut à tous, les zombies. Ah, elle est cool, la PPSH. Franchement, très, très cool. Non, mais je vais essayer de voir avec Dex, ce qu'on pourrait proposer à ma copine pour la soirée de jeudi soir. On va pas sur une map officielle, on ira sur du custom zombie. On fera, je pense, un live avec ma copine. On essaie de lui faire un secret en stream plus tard. Mais là, on commence déjà avec un petit peu de custom. Ah, il était un peu trop loin. J'ai une map si tu veux. Non, toi, Gogu, tes maps, elles sont pas folles, apparemment. Ça va, Gogu? Bonsoir, www. Hop. Allez, zombie, là, ça peut se dépêcher. On va pas lui proposer des maps non plus trop compliquées à Xy, quand même, la peau. Proposer juste des maps, tu vois, chill, sympa à jouer. Oh, mais non! Ah, je crame même ici. Comment ça, j'ai passé la manche, j'ai tué aucun zombie, là. Non, mais attends. C'est quoi, ce bordel? Hop. Tac, le deuxième module Groff. Pour se faire the pack-a-punch, hein, du coup. Octogonal, vas-y, on le propose octogonal. Quand la musique SCP, la musique de fond, on est sur music. Et Widow's Wine ont tué le dernier. C'est le prix du Widow's Wine. Je deviens raciste envers les Widow's Wine. Je n'aime plus les Widow's Wine. Oh oui, le cylindre, parfait. D'ailleurs, en parlant du coup de Widow's Wine. Mais encore ici, le dragon. Ah ouais. Il est énervé, le coco. C'est quoi le pack-a-punch? Je sais pas, c'est un nouveau truc en zombie apparemment qui arrive avec cette map qui est sortie aujourd'hui. Le module, il va où? Il est allé où, salopio? Attends, il est allé où? Je connais pas, moi. Librairie? C'est librairie, ça? Oh, mais le mot encore plus loin la prochaine fois, mon frérot. Mmh.
Ah mais gros, mais attends, mais vraiment dans la librairie, quoi. Je vais arriver, le truc, il sera en feu, limite. Non, ça va, y'a pas trop de zombies. Allez. Rapprochez-vous tous. Hop. Eh, calme-toi, Michel. Oh, j'ai pas fait de gobblegum. Ah bah, c'est parfait. On a plus besoin de tuer de zombies. Non, mais attends, mais dis pas que le dragon. Mais lâche-moi, Michel. Mais c'est pas vrai, hein. Oh, satané dragon. C'est pas possible, hein. Il a faim. Le PAP, c'est pipa papa. Pipa taba. Vas-y, je pense, on va se faire un petit peu de boîte, là, par contre. Faut savoir la MK3, les singes aussi. Et qui dit, bien sûr, boîte, dit Man Céleste pour les points et tout ce qui s'ensuit. Donc là, on va pouvoir faire le pack apple, ça va être cool. C'est très très bien, on va pouvoir ramasser également le 9. Hop. Je vais pas prendre le min max. Powerpoints. Hop. 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 Hop là. Voilà. On va juste prendre ça, les autres bonus, ils m'intéressent pas, perso. Ok. C'est vrai que j'ai aussi un dragon, tu vois, j'aimerais bien. Un petit dragon, ça ferait plaisir. Donc, dragon, singe et Regan MK3, ce serait le must du must. Au moins une de ces trois armes, quoi. Ah, Breachy, ça peut être cool aussi pour les broyeurs russes. Ça peut être très très cool. Ah, ça, c'est la gorgon, je reconnais. Ah, dommage. Hop. Tac. On va les reprendre juste x2. Hop là. Juste ça, ça me convient très bien en termes de bonus. Ah, limite le petit charpentier aussi. Ok, SVG, malheureusement, non. Et toi, la chatte du rouquin, là. Oh là. Ah, dingo, c'est pas mal, on va la garder. C'est toujours une bonne arme en plus. Oh, les singes à cymbales. Yes. Non, mais le dragon, là, tu m'embêtes. Et les MK3. Oh, oui. Mais oui, ça me plaît. La chatte du rouquin. Au nom du du Mustang, du Seigneur du Saint-PHD. Amen, bien évidemment. Juste incroyable. Ah là là, bordel. Les sages à 5 balles. Je valide Xalkes. C'est validé. Bon, est-ce qu'on appellerait pas le petit dragon? Console is disable. Ah, c'est vrai. Il fallait déjà aller placer le bordel. Ta-da. T'as bugué avec l'état des singes améliorés si t'as pas de guide, vu que tu connais pas. Faut ramasser pour améliorer les singes, t'as une plante qui spawn à 4 endroits différents. Il faut que tu la ramasses et après, tu dois faire un autre truc. Je crois la cramer avec le bouclier à un autre endroit. Un truc comme ça? Non. Je ne sais plus. J'ai cru lire un truc comme ça pour les singes améliorés. Pas de spam, pas de spam, les gars, c'est dans les règles. Respectez les règles, s'il vous plaît, pour une bonne entente du chat. Ça ferait plaisir. Et à Stormlux Fouras. Storm Fouras. Non, faut sniffer les... Ah, je suis pas sûr de ça, ici. Hein. Et merci beaucoup. Kingson 487 pour tout sortir. Ah, bienvenue dans la communauté de mal. Merci, mon frérot, pour ton sub, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir, je te remercie. Sur chaque plateforme, t'inquiète, Boxy, c'est prévu. Merci beaucoup pour ton sub, bienvenue. Ouf, c'était mes genoux, ça. Je l'ai senti, mes genoux, ça a... Hop. Donc là, ce qu'il faisait Dexter, je crois que c'est qu'il prenait l'œuf et il repartait direct. Hop. Mais j'améliorerais bien une arme, quand même, vu que j'ai le... Le pack-a-punch. Hop. Parce que attends, pour l'œuf, il faut faire quoi déjà? Faut le faire cramer, laisser le refroidir, le prendre, tuer des zombies napalm, tuer ensuite des zombies avec des armes lourdes, donc par exemple les bateaux qui sont au-dessus, c'est les bateaux qui sont posés. Et après des kills corps à corps, c'est ça? Je crois. Les prendre en Covid, là j'ai besoin de vous parce que moi je connais pas la map. Je ne connais pas. Hop.
et ensuite tu crames des bougies et faire des kills. Ah bah ça va en fait, Storm. Enfin, je regarderai un tuto vite fait, mais oui, c'était ça en fait. C'était ça, c'était... Ah oui, c'était l'histoire des bougies. Le camo est beau. Non. Je veux pas faire plaisir à Dexter en disant que le camo est beau. Je ne veux pas. Appelle à un ami. Je prends le Joker, appelle à un ami, les gars, s'il vous plaît. Ah oh, Dexter, ouais, j'ai eu le Joker, appelle à un ami, j'ai besoin de toi, c'est au Gord Crowy. Est-ce que tu sais comment améliorer la frappe, améliorer le shield, améliorer les singes, en fait, tout faire, s'il te plaît. Hop. On va poser... Dexter, il pose le nanaf ici. Donc je fais comme Dexter, moi, bon, il le pose là, je le pose là. Moi, je le suis. Hello, my friend. Tu récupères après deux manches, ouais, c'est ça. Et ben voilà. Mais la strat de Dexter pour se mettre ici, c'est tout juste incroyable, hein. Ça marche tout le temps, t'as tout le temps le dragon. C'est fou. Tu le prends, tu le poses, tu le fais cramer, tu passes une manche, tu le reprends, tu tues des zombies brûlés. Ouais, c'est ça, tu fais des collates, tu cut, bouclier, ouais, marche. Tu poses l'œuf dans l'incinérateur, c'est ça, ouais. Enfin, l'incubateur, pardon, ouais, c'était ça. Eh, j'en ai eu le souvenir, hein. Donc, je te guide façon Dexter, vas-y, Storm. De toute façon, la commu Dexter, elle me saoule, hein. Ils sont tous là, tout en me carry, c'est incroyable. Que ce soit notre petit Storm, que ce soit Dexter, que c'est chiant, j'ai l'impression d'être une merde. Ok, ça va, j'avance là-dessus. Faudrait que je fasse ça après. Ça, on met pas le secret principal encore. Donc ça passe. Donc là, faut que je passe entièrement cette manche-là, il me semble. Parce que l'œuf doit refroidir parce qu'il est un peu chaud. Ouais, il sort du micro-ondes, faut pas le prendre sinon tu te brûles, hein. Donc au début, non, Voxy, j'étais répondu tout à l'heure. Eh, paye ou pas là pour les jeunes qui disent oh, tu me lis pas, etc. Vous êtes beaucoup sur le chat, je peux pas lire tout le monde. Normal, tu sors des égouts en... Donc tu es dans le spawn, donc il arrive plus vite. C'est vrai, Storm, c'est pas mal comme raisonnement. C'est vrai que tu marques un point. Ouais, t'as un peu raison. D'ailleurs, je pense que la musique est finie. À la fin de la manche, on n'irait pas si tu fais une deuxième. Oh oui. Venez les zombies, je vous tue, comme ça. En faisant des headshots. Pour faire mon défi, parce que je vais essayer de faire les 3 défis quand même, tu vois. Enfin, les 4 en comptant celui de l'œuf. Mais tu vois, ça fera un truc en plus de fait sur ce map. Voilà. Oh non. Voilà, parfait. Un petit défi de fait, les gars. Oh, je suis satisfaction. Ah, toi, t'es pas... T'es... Oh, merde. J'allais dire, t'es pas en feu, je te laisse. Mais j'oublie que j'avais Widow's Wine, moi. Suis-je bête. Hop. Alors. Où es-tu, vilain garçon? Touché par mon Widow's Wine. Ah, tu es là. Alors, j'irais bien m'activer quand même une seconde musique de la map, là. Pour continuer notre petite quête. J'ai fermé la page internet, je suis un connard. Je suis un énorme connard. Hop. Gorod, Crowy. Secret. Alors, godzombie.fr, c'est vraiment la... un bon site. Franchement, je me réfère qu'à ça toutes les semaines, c'est incroyable. Alors, les musiques et easter egg de Gorod Crowy, bien évidemment, les musiques. La deuxième, Ace of Spades. Pour l'activer, vous devez appuyer sur la touche d'action sur 3 as de pique. Notez que Ace of Spades signifie as de pique. Merci pour l'information. Ok. Alors, où sont les as de pique? Ok, à côté double coup sur un tableau. Dans les bureaux à la mairie. Et au pack à punch. Ok, ok. On va aller faire ça, alors. Quand même continuer notre quête de ce 100% challenge de Gorod Crowy. Fais plaisir à Dexter en disant que le camo est beau. Allez. Vous pourrez lui envoyer le clip si vous voulez. Préparez-vous à clip. Hein. Bah franchement, Gorod Crowy, elle possède un camouflage pack-a-punch vraiment magnifique. J'adore ce camouflage et le jeu trouve absolument magnifique. Très franchement, il est plutôt pas mal. Vous pouvez couper le clip, c'est bon. Voilà, j'ai vendu mon cul, vous êtes content. Bref, la deuxième musique, c'est la musique de l'introduction de Gorod Crowy. Ace of Spades de Motorhead, je crois, il me semble. Il y a 3 cartes As de Pique activées. Donc une ici, la seconde c'est à la mairie et l'autre sera au Pack à Punch. Mais pour aller au Pack à Punch, on prendra un autre dragon histoire de faire tous les dragons. Voilà. Tant que j'y pense, il n'y a pas de screamer. Ouais, c'est ce que j'ai vu, il n'y a pas de screamer, apparemment. Donc, c'est un peu... Un peu dommage, je trouve. Bref, ce deuxième as de pique. Juste là, il est activé. Hop. Boum.
Comment il va le Flapixop, ta vidéo aujourd'hui, la map est juste sublime. Merci Roek. Comment il va lui le Roek là? Comment ça va? Comment il va Roek? C'était machallah. Ah ouais, carrément. Non, je sais pas, tu sais, en mode cool, bien, c'est genre machallah carrément. Je suis au-dessus, c'est incroyable. Incroyable. Merci Kings God pour le follow, bienvenue. Vas-y, je vais appeler le dragon ici pour qu'on le prenne à tous les endroits pour qu'on ait les ailes. Tum, 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 tum. Ouh. Bonjour monsieur le dragon. J'aimerais grimper sur votre dos. Hop là, try dragon. Merci, pas de soucis. Pas de soucis, bien sûr. Salut toi, Bilal. Ah Max, ça tombe bien puisque moi c'est exactement pareil. Hop là, salut mon pote. Pour les ailes, faut faire. Ouais, faut faire le gang siffre, c'est ça, Voxy. Faut prendre le dragon aux trois endroits différents et avoir le gang siffre. Oh là là! Incroyable, explosion! Qui offre 5 subs à la chaîne, sub offert à Popo, à Mr. Nike, Mr. Nick, pardon, Matisse, Nauken et Crazy! Et merci Skullfusion pour les 5 subs, c'est juste insane. Les billets en tombent carrément, les billets en tombent, c'est fou. C'est fou. Que c'est beau. Hop là. Bon, du coup, merci Skullfusion. Et j'en étais à activer le troisième as de pique qui se trouve là. Et là, vous allez entendre la musique, je vais pas vous laisser bien sûr, question de copyright. C'était un petit extrait musical, voilà. Ace of Spade, Motorhead, il me semble, c'est un truc comme ça. Je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté de métal. Musique volume, on désactive. Deuxième musique de la map activée. C'est plutôt coca, c'est plutôt sympa, donc je vais la valider. Et après, on se fera du coup la synthèse de lobby une fois que celle-ci sera finie. Voilà, hop. Voilà, désolé pour désactiver la musique. Question de copyright, c'est tout? Jamais, voilà. Tu aurais pu faire la frappe? Non, Voxy, je la ferai à un autre moment. Petite strat de Dexter, je la fais au moment où je dois faire des kills, justement des sortes de collates. En fait, les collates, ça marche, tu fais juste des kills à la mitrailleuse. Ouais, Ace of Spades de Motorhead, putain, c'est ça, je m'en souviens. Ah, je m'en souviens, je m'en souviens. Oh là là, Wooden Strix, take my money, Bomal. Merci pour ta bonnet. Ta monnaie, pardon. Bomal. Merci beaucoup, en tout cas, tu fais plaisir. Tu régales. Hop là. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est attendre le dragon pour tuer des... Non, viens pas maintenant. Dis pas que t'es en enfoiré à ce point. Attends, il me fait peur, là. Non, parce que si tu viens maintenant, en fait, il n'y a pas eu de zombies qui ont spawn encore. Donc, faut que tu viennes, en fait, dans 10 secondes. Petit connard. Tu pouvais pas attendre un petit peu qu'il y ait des zombies qui se ramènent? Non, fallait que tu viennes maintenant quand il n'y a pas de zombies. Franchement, le dragon, tu me déçois. Hein. Ah, attends, ça spawn. Ouais, non, on aura... Oh, merde. Oupsie. Ah, oupsie. Widow's Wine. Désolé, les gars. Hop. Attends, peut-être que c'est bon? Peut-être qu'on a eu assez? On en a eu assez, bien sûr! Et merci beaucoup, Dingo, pour ton subscribe! Enfin, ton recept, du coup, re-bienvenue, en fait. Merci beaucoup pour le recept, ça fait plaisir. Incroyable. Très généreux de ta part, ce recept prime. C'est pas gentil pour le dragon, mais si, mais t'inquiète. Hop. T'inquiète pas, frérot, pas de soucis, le dragon, il aime bien, en fait, qu'on lui dise ça. Hop là, je vais pas ouvrir cette porte, moi, suis-je bête. J'ai remarqué que les logos de Shadows of Evil sont plus petits. Les logos, quel logo de Shadows? De Perk? C'est ça? Hop là. C'est une technique pour farm les gommes, ouais, tu vas sur Shadow, et jusqu'à la manche 7, tu fais que dépenser tes points, Il y a un double dragon, waouh. Double dragon. Hop. Try dragon. C'est un si petit que BO2, ok. J'avais pas que le logo d'Aton, en fait, ils avaient des tailles différentes en fonction des maps et des opus. J'avais même pas, tu vois. Je pensais qu'ils avaient une référence en, mode, en termes de taille ou quoi. Mais voilà, quoi. Ta-na-na-na-na-na-na-na.
Oh, vive la Sainte Wave. Hop. Ah. Oh, j'ai fait une étape, je reconnais. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui, la frappe. Allez. Voilà. Et là, faut faire la frappe. Je fais la frappe de dragon. Je crois que c'est comment cela. Pas du tout. Ah, mais du coup, j'ai pas la batteuse ici, en fait. Donc, c'est un peu chiant. Et merci, Voxy. Tu savais que je t'ai fait la pouille. Merci pour tes 100 bits. Ça fait très plaisir. En plus de ça, tu lances le train de la hype, mon frérot. Donc, merci beaucoup. Voilà. Attends, mais ça spawn derrière moi? Non, je me suis fait un coup. D'où est-ce qu'on m'a tapé? Que l'enfoiré se dénonce. Hop. Hop. On va essayer en même temps de faire les broyeurs russes. Oh, il est passé derrière moi, cet enfoiré. Ça l'enflure. J'ai un shoot de mer là, je reconnais. Voilà. Hop. Ok, parfait. Ensuite, ça spawn où? Est-ce que ça spawn là ou en haut? J'ai l'impression que c'est en haut, ouais. Ils sont où, les zombies? Ah. J'ai fait un truc, justement, pour... Pour le masque de broyeur. C'est bon, là ça a marché. Donc comment je m'en enlève? Voilà. Et maintenant ce que je dois faire, c'est des kills au corps à corps. Donc le bouclier, ça marche très bien. Voilà. Voilà. Et bah j'aime bien ce broyeur, je crois, j'ai l'impression. Et c'est bon, on a fini l'œuf. C'est parfait. Eh, je m'en sors pas mal en vrai. Franchement. A tout acquis. A tout à l'heure. Mais t'as dans ça, les gars, le train de la hype. Faites-moi péter le train de la hype, s'il vous plaît. Ce serait fort plaisant. Bon, et même là, vous. C'est, tu vois, là, pour le fait de faire le masque maintenant, faire l'œuf en faisant la frapper et tout, tu vois, toutes ces petites strats, c'est tout Dexter qui m'a pris. Incroyable. Merci Dexter, hein. L'un des plus beaux de ce 2D game. L'un des plus forts en plus, c'est incroyable. Quel homme, ce Dexter. Pouf. Le BPSH est quand même vachement cool sur Black Ops 3. J'aime beaucoup cette arme. Hop. Voilà, mais qu'est-ce que tu as, monsieur, à vouloir m'attaquer comme ça? À me foutre une pichenette? Tu es tout araignisé maintenant. Hop là, tu dégages, toi aussi. Ah, monsieur qui passe là. Ah, et là, donc, je crois que ça arrive de partout, c'est ça? Il me semble. Ah, la Valkyrie, attends, faudrait que je m'en serve parce que je dois... Voilà. Voilà. Je dois péter des yeux, des bras. Je sais pas, je dois faire 1000 trucs avec les Valkyries pour avoir le masque. Y'a pas une autre qui spawn? Je sais plus. Hop. Ah. Oh là. Oh là, c'est la merde. Oh là là. Au secours. Alors je sais pas si j'ai réussi à bien la taper, la Valkyrie. J'espère, ce serait bien. Oh, j'ai plus de shield. Ah, c'est compliqué là, hein. Ah. Hop là, merci beaucoup, vous mourrez, messieurs. Oh là. Même Céleste, vas-y, je prends. Ah, c'est la fin? Ah. Il manque des petits salopios. Et parfait, c'est réussi! Oh. Ah, on a encore un zombie invisible bugué. Enfin, un zombie élastique bugué, là.
Et là, normalement, on a la frappe de dragon. Ah. Oh merde, on a en plus de ça un monsieur méchant. T'es où la Valkyrie? Elle est où? Je crois qu'elle est rentrée. Ouais. Aïe. C'est vrai que j'ai plus de shield moi, faut que je fasse gaffe. Hop. Il reste pas mal de zombies en fait. Et j'ai plus de bouclier donc soyons prudents. Essayons de s'enfuir d'ici. Ok, ok, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Hop, parfait. On a posé l'œuf de dragon et là faut que je passe des manches. C'est ça. Ah oui, faut que je tue déjà des zombies. Merde. Oh, j'étais pas stuff. Allez, vite. Ah, merde. J'ai pas réussi à niquer la... sa petite truc au-dessus. Parfois, on en a une autre. Eh oui. Attends. Hop. Oh non. Je vais pas mourir. Ah. Ok, donc là sur les Valkyries, j'ai réussi. Il y a tellement de trucs à faire en fait là, je suis emmêlé, je suis désolé, je suis concentré, je suis plus du tout sur le chat. Et maintenant, faut que je casse leur œil ou je ne sais pas quoi là. C'est le truc rouge ou c'est quoi ce que je dois péter sur les Valkyries? Parfait, donc là... Ouais, ça m'en fait transpirer, c'est incroyable. Et j'ai envoyé une dernière fois. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, j'étais focus dessus comme je viens de le dire. Hein, parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Wouah. J'étais en sueur, j'étais là en mode ok, ok, vas-y, on fait ça, bam, bam, bam. Frappe de dragon, on l'a fait. Le masque de broyeur, on l'a fait. Les ailes dragon, pas encore. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a fait. Hop là. Et on enchaîne bien, c'est cool, faut que ça carbure comme ça. On continue ainsi, c'est très très bien. Je suis très content pour l'instant de ma performance. Pour les pro gods, ça doit pas être ouf, mais pour moi, je suis satisfaction. Alors, j'allais me chercher un shield vite fait, ça me ferait du bien, clairement. Je fais ban pour rien, c'est normal. Tout ban est justifié, y a jamais de pour rien, les gars. Faut apprendre à lire les règles, hein, que vous arrivez sur un chat ou dans un endroit ou quoi. C'est pas fait pour les toutous, les règles. Caméra, œil à casser. C'est les caméras. Ok, les caméras, c'est... Ouais, 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 non, je vois. Je vois tout à fait. Et attends, ensuite, il faudra activer un mini-jeu de cache-cache avec une figurine Samantha. Ah, c'est ça. Il faudrait que j'envoie des singes, en fait, dans des feux de dragon. Ok, ok, ok. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire, en vrai? Juste passer des manches? Je sais pas, au niveau de mon challenge, où est-ce que j'en suis? Il reste... Ouais, la musique, c'est ce que je regardais, faut que j'envoie des singes là où un dragon crame l'endroit, pour la troisième musique. Et après, c'est de l'amélioration, de façon à améliorer la frappe, améliorer le shield, améliorer les singes. Je serais chaud, du coup, d'attendre le dragon, en vrai. Bah, attends. Comment s'améliorer la frappe? Je sais pas comment on fait. Bah écoute, j'ai entendu aucun bruit, hein. J'ai envoyé trois singes comme indiqué dans ce qu'on disait. Je check le lien YouTube là, le petit tutoriel. Ok, là c'est juste le lien de la musique. Attends, je peux quand même le partage. Hop. Third song easter egg. Ok. Allez, je vous donne fin les gars en plus. Je vous donne fin là. Merci beaucoup Miku pour le follow.
ça, trois endroits différents peut-être. D'accord. Ok, donc faut que j'attende d'avoir min max. Et c'est comme sur Zombies Chronicles. D'accord, d'accord. Ok, intéressant. Ah ouais, par contre, les emplacements, ça rigole pas, mon frérot. Oh la vache, 10 emplacements. Yes, 404 notes found, merci beaucoup. J'adore ce genre de tutoriel, c'est plutôt cocasse. Ok, ouais, mais d'accord. En fait, c'est à 3 endroits différents. Vas-y, tu sais quoi, on va passer les manches. Pour avoir tes demi max, avoir des Valkyries pour le casque de Valkyrie. Oh, mais j'ai les casques de broyeur qu'on peut les récupérer. Voilà. Ça marche plus, mon raccourci. Oui, le casque de broyeur, je voulais chercher ça. Ah, d'ailleurs, je peux réactiver la musique du jeu, je pense. Ouais, c'est bon. Alors, le casque de broyeur russe qu'on a terminé précédemment. Et effectivement, le casque, il est là. Ah, mais prends Minmax, je suis bête, les gars. Mais regarde ce que j'avais sur moi, j'avais Man Celeste. Donc des munitions. Bah vas-y, on va passer des manches là-bas, pour savoir le dragon à cet endroit-là. Ce serait pas mal. Pour qu'il crame mon singe. Hop. Là, j'essaie, en gros, pour ceux qui savent pas, j'essaie de faire la troisième musique de Gorod Crovy. En gros. Bon. Allez. Pour ça, il faudrait le dragon. Ah, t'es pas au bon endroit, mon frérot. On va l'attendre. Est-ce que Storm est dans le chat, d'ailleurs, ou pas? Storm Lulu. Oh, West Coast. Quand derrière Star Wars, c'est déjà fait. Et si tu parles de ce soir, tu regardes le planning. Hop. Ok, quelqu'un qui sait comment améliorer la frappe de dragon. Attends, le dragon par là, je pense. Si je me mets par là, genre, il doit arriver. Parce que... voilà. Il dit, oh tiens, il y a une chose, je sens un humain qui arrive ici. Et enfin, dragon sur un drapeau hors de la map pour améliorer la frappe de... Attends. Hein, quoi? Faut faire quoi? La frappe de dragon améliorée. Ah, j'ai pas de tuto, moi, sur mon truc. Sur Gorod Crovy. J'ai pas de tuto pour la frappe de dragon. Si, peut-être dans obtenir la frappe de dragon et l'améliorer, je pense. Améliorer la frappe de dragon est possible. D'avoir une version améliorée de la frappe de dragon permet d'avoir deux frappes en stock au lieu d'une. Et le dragon crache du feu rouge au lieu de vert qui est plus puissant. La table tue 40 zombies avec le contrôle d'accord. Ok. Ok. D'accord, d'accord. Donc, premièrement, il va falloir tuer des zombies la frappe de dragon. C'est tout bien, j'ai des filles pour. Mais avant, j'ai essayé de faire la musique. De faire des kills avant. Hein. Ouais, c'est ça. Merci Rekax pour le follow. Bienvenue. Bah parfait. Hop. On entend le singe qui souffre comme dans... dans The Giant. Je crois que c'était dans The Giant où tu pouvais balancer un singe et qu'il entendait brûler. Là je pense que par contre je peux récupérer mon œuf et donc avoir le gant de Siegfried. Je pense. On va essayer. Après, on ira à la librairie pour le dernier singe envoyé. C'est que j'ai utilisé pour petit temps, oui. Oui. Exact. Dis un chiffre entre 1 et 10, beau mal. Bah 10, voilà, 10 compris. J'avais fait de chercher, je me disais, ouais, 5, 7, ça porte chance. Ouais, je dis 10, du coup, voilà. Il y a un ou 10, bah je dis 10, voilà, je dis 10. 12. 12, c'est cool, t'es bon? Non, 10 du coup. Tu as kidnappé l'enfant d'un dragon. Ouah, non.
C'est ça. Voilà. Hop là, nickel. On a l'œuf de dragon, et donc on va pouvoir avoir le gant de Siegfried. Et normalement, du coup, on aura les ailes de dragon. Aussi. Donc on aura les gants et les ailes, ça c'est bien. C'est cool, c'est pas mal. C'est plutôt nice. Boum. Ça me fume le bruit. Oh, c'est un... Boum. Hop, c'est ça. Ah ouais, quand même. c'est énervé quand même. Hein. On va se mentir que c'est plutôt cocasse. Où sont les ailes de Raon? Normalement, je les ai. Je crois qu'elles sont à l'étage, les ailes. Et... C'est insane. Il y a carrément, c'est incroyable, regarde ça. Il y a des billets qui en tombent. Merci beaucoup pour les subs offerts à The French, à Valentin, à The Far, à Jackie Semicui, à toi, BM, à Na, à Zarwil, à Foxinou, à Le Grand Gamer et à Yaminato. Incroyable. Il y a 10 le bon mal. Putain, mais j'aurais dû dire plus que 10 en fait. Ah non, c'est entre un 10. J'ai un 10 du coup en fait. C'est... Non, je... Oubliez ce que je dis. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait très plaisir. C'est carrément incroyable. C'est carrément fou. C'est fou, bordel. C'est fou. Je sais plus où j'en étais, moi, du coup. Si j'étais là... Ah oui, les ailes de dragon, c'est ça. On a les ailes de dragon. Parfait. Et le gant de Siegfried, ça fait deux trucs faits en plus sur Grand Trovi. Bien, je suis fier, je suis content. C'est bien. Oh là là. Putain, 10 subs, c'est fou. Par contre, c'est beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Trop de gentillesse, trop d'aimabilité. Voilà, pour la commu et pour toi, pour la... Commu. Bien évidemment. Skuuu. Comment ça va, Malati? Oula, poulou. Bon, et nous, du coup, on va attendre le dragon ici, clairement. On va packer les zombies, puis je vais faire des kills aussi avec le rayon du gigant. Ah bah. Hop. Et normalement... C'est ça. Ouf. Voilà. Bon, je passe des kills avec. Et là, du coup, on a le truc pour l'autre musique des Samantha's... voilà, il y a spawn. Pour la troisième musique. Qui est jamais activé et qui est une des meilleures musiques de l'histoire de Treyarch, celle de Grand Crovy. Celle-là, la Samantha's Lobby. Va autant qu'au niveau du post-dragon, si tu regardes bien dehors de la map, sans prendre le dragon, il y a un drapeau rouge. Ok. D'accord, d'accord. On ira voir ça juste après, du coup. Ok, et donc là, on peut faire l'étape pour activer la musique, la Samantha's Lobby, qui est vraiment magnifique. Bah, c'est celle que j'ai mis pour les sub-gifts entre 50 et 100 subs. Et cette musique, elle est incroyable. Vraiment, c'est... ma Samantha's Lobby préférée. Donc on va essayer d'aller la faire. Et je l'ai jamais fait de ma vie sur God. Par contre, du coup, faut que je connaisse les emplacements. Et je t'avoue que... Ouais, ça, il y a Samantha qui a spawn. Et donc là, en gros, ça va être comme sur... Attends. Ouais. Dans du gigant, j'ai pas fait assez de kills encore. On fera ça, je pense, juste après. Là, je vais essayer de packer les zombies comme je peux. Et à la fin de la manche, on essaiera de laisser un zombie pour faire la Samantha's, la musique. Merde, c'est pas ça. Ah non, ça compte comme un singe, quand même. Ah bah attends, le singe, je dégage, là. Voilà. C'est normal qu'il y ait ça. Ok. Ah, j'ai pas fait tant que ça. Ah, il faut que j'en tue 100. Ah, je l'ai quand même tué quelques-uns. Parce que sur 100 que c'est auto-rempli, c'est pas mal. Ah vas-y, je vais prendre charpentier, tu sais pas. Là, je m'en fous un peu actuellement. Hop. Bien, c'est une JSP, bien sûr. Dire qu'on gagne un message, j'ai fait...
J'accepte. Je suis chaud. Alors, nous, on en était à notre Samantha's le lobby. Là, vous m'excuserez. Petit moment de pause. J'ai besoin de savoir comment est-ce qu'on l'active. Alors, on va regarder un petit tutoriel si ça ne vous dérange pas, les amis. Parce que j'ai besoin de savoir. Faut juste que j'active un truc. Par contre, c'est là. Dans mon stream deck, j'ai marqué que mon truc capture d'écran. Source, c'est quoi ça? Streamlabs, Map XP. Non, c'est pas ça que je vais activer, désactiver. Moi, c'est mon truc capture d'écran 2. Et là, normalement. Ta-na-na-na-na. Ah, c'est plus pratique avec le stream deck. Merci, le stream deck. C'est très gentil. On va aller sur YouTube, du coup. Et on va retourner voir le tuto pour les emplacements que je ne connais pas du tout. C'est pas plutôt Glitching Queen qui a fait un tuto? Glitching Queen, elle est très très forte pour les tutos. Non, tu sais quoi, aller voir le mec. Ces miniatures m'inspiraient. Oh, publicité pour Ray-Ban. Est-ce que ça vous intéresse, Ray-Ban, les gars? Non, c'est pour que j'arrive quand même à activer cette musique. Faut que je l'active. Ah, c'est chiant, les pubs non désactivables, là. Allez, merci. Turn your volume up, then I highly recommend it because without doing this, it's going to be impossible because what this relies on is you hearing where Samantha is and then trying to spot her small action figure. Now, I don't have all the locations in this video, but as long as you can hear the game volume... Ok, il dit qu'il n'y a pas toutes les locations, mais que vous pouvez entendre... Allez, Taras. Putain! Va regarder Ruff Waffle! Hi guys, Mr. Ruff Waffles. Monkey. Volume up a fair bit because what you've here and is find it wherever it is on the map and shoot it and then another doll will spawn in. You've got to do this several times and eventually if you get enough of them in a row without time running out, you'll hear another shriek from the little girl like before and you'll know that you can go back to the spawn and wrap this Easter egg up. Before I show you the very end of it, what I'm going to do is show you the process of me actually getting the Samantha. Really, in my opinion, I was on the end. Some of them are that you can go back to the some of the spawn locations. Some of them are really difficult to spot. Others are much more straightforward. In this particular clip, I don't get any that are really too difficult in my opinion. I was checking. Ça me saoule, Storm. Tu connais les emplacements ou pas? J'ai besoin de toi. Ah, si jamais j'essaie de me référer au son comme eux. Pas comme ils disent. Alors. Je vais te les trad, vas-y. Parce que je t'avoue que je ne sais pas comment l'activer cette musique. Et que les emplacements ont l'air très chiants à savoir. J'essaie d'écouter du coup. J'entends. Oh. Non, c'est pas ça. Oh, c'est là! Ok. À la quête des Samantha. Wesh Rémi, comment ça va? Ça, on l'entend d'assez loin, là, Samantha. J'entends rien, là. Bientôt, bah ça, c'est mon kill, Rémi. J'entends rien, là, non plus. Où est-ce qu'elle serait cette petite Sam? Pas là non plus. C'est une galère pour une musique quand même. Une musique incroyable.
Où est-ce qu'elle est? Oh, elle était juste là. Oh, le seum. Elle était juste ici. Vas-y, on va la réactiver. Storm, envoie-moi s'y grouper. Comme ça, je peux faire un copier-coller. Je les ai tous sous les yeux. Donc voilà, n'hésite pas à faire grouper du coup. Putain, c'est galère ce secret. Ah, bonjour les dragons. Donc quoi, on a un temps vachement restreint quand même pour les chercher. Oh, salaud. Est-ce que ça spawn toujours au même emplacement? Ah, Mulkick, je crois que disait Storm. Ouais. Et bah tu vois, Storm, un des emplacements que tu m'as dit, c'était ça. Incroyable. Elle est pas là. Incroyable, deuxième. J'entends, au-dessus. Je crois. Oh. Mais t'as vu les endroits de pute? Mec, c'est incroyable. Oh non, j'ai tout chaté, là je galère. Oh non. Non. Je veux faire cette musique. Ça y est, toi, Pat. C'est derrière le mur. Ok. Faut en jeter encore combien? Putain, les endroits où c'est caché, c'est incroyable! Allez, dépêche-toi de courir, monsieur! Il y a 10 emplacements. Dis-moi qu'elle est là. Non. Peut-être là-bas. Rien du tout, peut-être librairie, je peux pas aller voir. Il y en a beaucoup plus. Ah, ok. Super. Voilà. J'ai cru l'entendre, mais non. On va la mériter, cette musique, hein. Attends, mais elle est où, là? Elle est au-dessus? Ta mère. Alors, Storm Lux qui nous envoie les emplacements sera beaucoup plus simple parce qu'il y en a beaucoup. C'est tellement chaud à activer. Alors,
D'accord, ok. Ça va être compliqué, mais on va la faire. Je veux apprendre Grand Autre Vie de fond en comble, hein. Je prends Grand ou Révélation? Bah ça dépend en vrai. Ça dépend de tes goûts, je peux pas trop télé sur... Je dirais Révélation parce que j'aime pas Grand de base. Mais on va voir, peut-être qu'après cela, je l'ai kiffé, hein. Il y avait ici. Il y avait... Amulkick. Mais en solo, c'est quasiment impossible tant que tu parcours toute la map. C'est pas Amulkick. Je l'ai entendu sinon. Hein? Ah! Elle est où? Attends. Elle est au-dessus, elle est où là? Oh! Ok. Quel enfer. Je vais péter un câble avec cette musique. C'est un enfer. Ramenez vite, je vais être là tout à l'heure. J'entends. Oh. Mais gros, mais les emplacements, mais c'est quoi ce délire? Non, pas là. Pas au spawn. Il manque un autre endroit au spawn, on va vérifier. Emplacement, voire 38 de ce qu'on m'a dit. Quoi? Quoi? Bon, au moins, on va tous les connaître à la fin. Non, rien ici. Attends, combien? 30 emplacements? Plus de 30? Il se fout de ma gueule le jeu. Non, pas de musique. Pas de musique. Ah, j'aurais plus le temps d'en trouver, hein. Aidez-moi. Hee hee hee.
Pourquoi j'ai choisi cette map? C'est la pire map Call of Duty qui a existé. C'est incroyable. C'est incroyable comme elle est éclatée, cette map de fond en comble. Oh là là. Quelle idée de faire ça aussi. Ah, c'est rien, c'est la rue. Allez. Reparti. Donc livre ça pour Dexter. Oh bah t'inquiète Dexter, c'est déjà ce que je pense de, ce que je pense de God. T'inquiète pas, il le sait déjà. C'est vraiment de te voir galère, mais c'est incroyable, non mais ce secret. Merci beaucoup Chris pour ton deuxième mois de sub. Merci. Ah, premier max aussi. Ok. C'est au-dessus de nous, ça. Quoi? Attends, tant que j'y suis, j'ai envie de tester un truc. Non, c'est dans les FX. Mais vous la voyez le chat? Attends, mais elle est juste devant moi? Mec, je la vois pas, c'est incroyable! J'ai 5 mois, ça passe vite. Merci beaucoup, Pat, pour ton resub également. Ça fait plaisir. En bas? Je crois pas. Sur me Valkyrie en PLS, quoi? J'ai rien compris. À côté des escaliers. Ah, j'ai rien compris. Les explications du chat sont encore pires qu'Internet. Y'a aucun sens. Incroyable. Y'a aucun putain de sens dans toutes les explications. Oh. Et là en bas, ouais en bas, c'est dire quoi? Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, la zone, l'endroit, sur une caisse, sur un canapé. C'est incroyable. Vas-y, je me focus sur le jeu et sur le son, je peux me focus sur le chat. Incroyable. Je sens qu'elle est à 3 armes là. Non, elle est pas à 3 armes. Alors je crois que ça c'était au-dessus. Oh bah Arnaud. Tiens. Ah non, pourquoi est-ce que t'as fait un ban? Non, pas comme ça. Comme ça, définitif. Hop là. C'est comme ça. Je crois que c'est dans le wagon. Là, ouais, tu vois. Celle de tout à l'heure qu'on avait remarqué déjà et qu'on n'avait pas trouvé. Si j'ai pas eu le temps d'y aller. Il y avait là. Chance zéro cuit. Elle est où le chat? Là, 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 ici. Mais tu sais, si, mais elle est là.
Ah, c'est celle du char. J'allais prendre le piège là, mais je me suis dit non, mauvaise idée parce que je vais tuer les zombies. Yann. Mais meurs, madame! J'entends au-dessus là. Pas encore! Encore ce saloperie? Moi j'attends vraiment ici! Storm! Oh ah, le fou! Ah, on est un peu sur une map éclatée, Dexter, on fait comme on peut, hein. En bas, vers la bombe. En bas, donc, ici. En bas, vers la bombe. En bas, la bombe, ok. La bombe est là. Bah ça me dit pas où vers la bombe, parce que la zone elle est immense en fait. Vas-y, je vais regarder un tuto, parce que là c'est plus possible là. Hop. Santa Sorrows. Il doit y avoir des screens d'image, je pense. Quelque part. C'est chiant, ils ont supprimé tous leurs trucs là, le site sur lequel je vais d'habitude. Locations. Aucun tuto avec les 50 emplacements, mais le problème c'est... Voilà. Là, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai l'endroit exact, quoi. C'est spam égal ban tempo ou def, exactement. Comment on fait la troisième musique? C'est ce qu'il faut en fait, c'est l'emplacement exact, c'est genre pas genre à proximité de ça, tu vois. Et du coup, c'est impossible à faire le chat, parce que le chat c'est là, juste à côté de toi, là en fait, en bas des escaliers, là. En bas des escaliers, t'as 10 escaliers sur la map. Plus on avance plus sur la map, plus je la trouve encore plus éclatée que d'habitude. Enfin, que ce que j'en pensais déjà. Je vais retourner voir Wrath of Fall, peut-être qu'il avait montré. Il parle, mais il montre rien, c'est incroyable. Les requins sont les pires dans les tutos, c'est fou. Son placement là, je le connaissais pas par exemple. Un emplacement là aussi. So I'm gonna leave that for you playing now. Thank you so much for watching. If you've enjoyed the video, then leave. Il montre rien. Il montre rien. C'est incroyable. Du coup, elle, la Samantha est par là, dans la zone où on est, mais on la voit pas. Et c'est chiant, du coup. Du coup, c'est chiant. Et on me dit derrière le fusil tout en haut, on me disait en bas, il y a aucun sens. Pour moi, elle est vraiment par là. Je sais pas, ça me saoule. C'est un peu saoule. En fait, il me faudrait vraiment un screen exact. Sinon, c'est impossible. Et Dexter, toi qui es c'est ta map préférée, là. Ah non, c'est mort. Faut qu'on recommence à zéro. Passerelle, non, pas passerelle, Versailles. Non.
On recommence à zéro du coup encore. Salut Linkos, comment ça va? Hop. On vaut de toute façon, on passe pas à la suite tant qu'on n'a pas la musique. Je m'en bats les couilles. Il y avait un emplacement là. Par là. Elle y est pas déjà. Dans le coin en haut. Ok, le coin en haut là du coup, c'est ça? Elles vont faire des explications comme ça, en vrai, vaut mieux pas faire d'explications. Prends le temps de... Au train. Super, t'as passé ça tranquille, une cause. Ouais, au train. J'ai bien entendu au train. Et du coup, apparemment, il y a un emplacement là aussi. Je savais pas, tu vois. On l'avait jamais eu encore, donc heureusement que j'ai gardé, j'ai regardé Warfuffle. Faut être là. Va être là. Pas d'avoir d'emplacement ici, en tout cas j'en entends pas. Pas infirmerie, pas en dessous, ça peut être là, y'en a... J'arrive pas à savoir si c'est devant. Putain, dans les égouts là. On a constamment des nouveaux emplacements, c'est incroyable. Scale map pour la station map. Non. Non. Non mais encore ici. Eh, il me faut vraiment cet emplacement, c'est plus possible. Il me faut vraiment, vraiment celui-là. Là c'est... En fait on l'a tout le temps, donc dans tous les cas je suis baisé. Vraiment que j'ai tout cet emplacement-là précis. Problème si j'ai les zombies en plus. God Crobit. Bah c'est forcément derrière. Là en fait je... voilà. C'est sûr que ça a touché avec l'explosion. Ouais c'est vrai mais bon. Moi je dirais par là. Donc en fait, voilà, là j'attends que quelqu'un me dise l'emplacement exact, genre pas... Dans le coin en haut. T'es là, Flappy, t'es dans le coin en haut. Incroyable. En fait, il me faut vraiment l'emplacement exact, genre que, voilà, qu'on me décrive où c'est. Parce que sinon, bah, dans tous les cas, j'ai l'emplacement ici, donc dans tous les cas, je peux pas faire le secret et donc pas faire le 100% challenge, donc autant arrêter God Crobit si je trouve pas. Ça va être un ok. J'ai retourné voir l'autre tuto que j'avais vu de base. Bah tant mieux Linkos. Toi monsieur là. Je sens que ce monsieur il est bien.
Doll location. Vas-y, montre-nous, mon frérot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste... Voilà. Là, à l'infirmerie, on l'avait eu. Là, c'est où, attends? Ah, celle-là, on l'avait eu aussi. Celle-là, on l'avait eu. Oh, ici, je l'avais jamais eu, par contre. Ah, je crois qu'il monte vraiment tous les emplacements. Le char, on l'avait. Celle-là, on l'avait aussi. Celle-là, je l'ai vue aussi sur la vidéo de Rough Waffle. Celle-là, on l'a trouvée nous-mêmes. On a trouvé quand même pas mal nous-mêmes. Enfin, aussi avec l'aide, clairement, de Stormlux, hein, aussi, bien évidemment, optionnellement. Ah, il est où? Ok. Ouais, là. C'est là. Celle-là, on avait eu. Là, la Tank Station, ici. Celle-là, on l'a eu aussi. T'as vu, c'est bien, il monte quasiment tous les emplacements. C'est incroyable. À mon avis, il va monter trois armes. Enfin, il va montrer trois armes. Non, même pas. Mais trois armes, on sait qu'il y en a une aussi. Là. Ah non, ils n'ont pas tous montré. Ah, on les a presque tous eus, sauf celui qui nous intéressait au final. Passerelle, non, elle est pas là. Mec, si, elle est pas là. Oh, peut-être que, comme par hasard, tout à la fin, il va nous montrer un emplacement encore. Attends, peut-être que... Peut-être que... Oh, enculé. Ouais, côté librairie. Il passe de là. Ah non, on n'a pas eu l'emplacement où c'est. Non, tu fais quoi comme live? Eh ben écoute, je fais... Point d'extension planning. Écoute, on va laisser niquer notre truc là. Voilà, ce sera plus simple. Et il faut vraiment qu'on trouve, ouais, cette... Mais c'est une galère, t'as 50 emplacements, c'est incroyable. C'est quoi, vas-y, je vais speedrun le truc parce que là, c'est en train de me casser les orteils. Ça n'a aucun sens ce que je dis, je le sais, je suis au courant. Je suis totalement au courant. Donc, on réactive la Samantha. Emplacement là, elle y est pas. Ok, là faut qu'on se dépêche parce qu'on a un temps à partie. Placement là, elle y est pas. Trois armes. Pas trois armes. C'est galère, c'est que c'est au son. Infirmerie, il y est pas. Tank Station, il y est pas. Inquiétant. Là. On passe m'inquiéter juste là. Impec. Là-haut. Rien, rien. Non. Compliqué. Au moins, elle est pas là. Elle est pas au spawn non plus. Putain, mais elle est où? C'est incroyable. Pas l'infirmerie. Bah, Tank Station, en fait, je vois pas d'autre emplacement.
Putain, me dire, elle est pas shootable d'ici, mais si en fait. Je sais pas, tu sais, avec un mur invisible en bail comme ça. Au-dessus, je crois que c'était le. Ouais. Le spawn. Bah, c'est ça, Storm, c'est ça le problème. Comment ça marche du coup? Comment on l'active maintenant? Je sais pas comment on ramasse le truc en fait. C'est en tirant dessus, c'est en faisant. Oh merde, c'est vrai que j'ai pas de shield moi! Vas-y, c'est juste un zombie. Ça se trouve, il y a. C'est dans les CFX en fait. Waouh! Du coup là c'est la touche d'action ou je sais pas ce qu'il faut faire en fait avec la Samantha maintenant. Merde, je crash. Ah c'est la touche d'action. Et là, l'une des plus belles musiques. Je sais pas comment on l'active par contre. Si elle est dans les musiques FX d'ailleurs. On l'a fait! Putain, merci Stormlux qui nous a carry de la moitié des emplacements sur ce truc interminable. Bah, je serai en retard sur mon Red Destiny, moi. Hein. Cette musique est incroyable. Désolé, si j'étais pas sur le chat, là, j'étais en mode très hard, je voulais réussir ce putain d'easter egg. J'aurais pris 30 minutes, mais je l'ai fait. Ok, c'est comme ça qu'il fallait que je fasse, je crois. Je parle plus, j'écoute juste la musique là. Comment tu peux aimer God Crovy après cet enfer? Dex, réponds-moi, comment tu fais pour aimer les maps? Alors, est-ce que j'ai le masque de Valkyrie? Si oui, où est-ce qu'il se trouve? Musique de Moon remasterisée, c'est ça? C'est les Samantha's Lullaby? Le titre de la musique, c'est Samantha's Sorrows. C'est la musique aussi des 50 subgifts, hein. J'en fais de la merde, carrément. Hop là. Et voilà. J'ai fait mes 40 kills à la frappe de dragon. Incroyable. Ça, c'est beau.
Donc je peux continuer à améliorer ma frappe de dragon. Il nous reste encore les singes améliorés. Il nous reste aussi le bouclier amélioré. Oh, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Attends, mais on en est où? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le casque de Valkyrie. Oui, où est-ce qu'il est déjà? Bah là. C'est bon. On a le casque des Valkyries. Un nouveau truc de fait. D'ailleurs, je vais remettre une musique de fond. Oh. Pum, pum, pum. Et merci beaucoup. Allez, pour le sortir. Ah, bienvenue au programme de l'animal, je te remercie pour ton sub. Carrément incroyable. Plus que 5 subs pour le daily sub goal, les gars. On se réveille. Il nous reste du coup les singes améliorés. Il nous reste le shield amélioré, la frappe de dragon améliorée. Et on aura réussi le 100% challenge de God Crowley. Autrement dit, les trucs qui sont, je crois, les plus chiants. Il me semble que c'est vraiment les trucs les plus chiants et les plus longs. Mais on va y arriver, t'inquiète pas frérot, ça va bien se passer. Pas du tout. Il y a contre la frappe de dragon, j'ai déjà un truc ouvert. Devant le cristal, vous avez obtenu votre frappe de dragon, ok. C'est le spawn. Spawn et 3 dragons, ok. Et ensuite, il faudrait que je me bouge, donc je vais peut-être prendre les ailes pour aller plus... Non, on va me faire chier. Et le round 50, oui, le round 50 aussi. Hein. Bouclier, ça va aller vite. Et... Si mon Dexter me dit que ça va aller vite, du coup... Merci beaucoup, Eliak, 5 subs à la chaîne. Incroyable, merci pour le sub offert à Skies, à Spartax, à Tuata, à Xalfa et à Dams. C'est incroyable, le premier Daily Sub Goal est terminé. Les billets en tombent. Les billets en tombent. Que c'est fou. On augmente le Daily Sub Goal du coup. Futur DJ, moi je dis. Mais écoute, Edex, en vrai, si t'es chaud, genre je suis trop chaud moi, vu que là j'ai envie de me venger de cette map, à me motiver pour réussir à faire tout ce qu'il y a à faire sur Gorod et tout. Si tu veux qu'on fasse un truc à deux un soir comme ça sur Gorod, je suis chaud. Cette map, elle aura plus de secret pour moi. Aïe merde, c'est où déjà? J'ai déjà oublié l'emplacement du drapeau ici. Ok. Déjà, c'est pas là-bas. Comme je sais que Dex, toi, ta map God, ta map chérie. La moula, bien sûr. La Daronne Tesla, tu connais. Bien évidemment. Alors, autre emplacement. Ça n'a pas l'air d'être là. On va essayer de trouver... Eliag. Merci pour les 1000 bits, ça fait très plaisir. Petite manche sur Origins, là, qui fait zizir, quoi. Merci beaucoup, mon frérot. Ça régale, ça met bien. C'est carrément incroyable. Bah, je crois que Dexter, il est parti. Fiat Multipla, la down on flap Multipia. Ouais, bonjour. Oh... bah, pas de drapeau non plus, ça a l'air d'être au spawn du coup. En vrai, Dex, moi je suis super chaud pour trouver tous ces trucs de Samantha Zul Lobby là. Tu connais pas la flap Multipia, malade? c'est ma future voiture. Mais encore! 1000 bits! Encore une manche sur Origins. Putain, merci beaucoup! Ça fait plaisir, Elias. Eliag, pardon, Eliag, j'ai lu. Yeah. Wouh! C'est dur de parler et de lire. La fameuse flap Multipia, bah oui. Bah. Hein? D'accord qu'il y est pas là. Je crois que c'est Dragon Command. Ah ouais? Tu as loupé celui à Dragon Command derrière les gravats au fond. Ah, c'était ça? J'ai cru que c'était du décor, moi. Ah, mais j'ai cru que c'était du décor. Comment j'ai récupéré ma frappe de dragon, par contre, les gars? Mais non, c'est du décor, ça.
Après, on va pas pour un fou. Tu vois, c'était totalement du décor. Allez. Ça va vous le chat, sinon. Quand j'ai récupéré ma frappe, du coup, passe la manche. Ah, d'accord. Pas le choix. Bah, si j'ai pas le choix, alors... Dexter, est-ce que tu es là dans le chat? Ou Storm, n'importe. Pour me faire un résumé de comment améliorer le bouclier. Min-max. Ah, c'est min-max. Bah, eh. Pas de soucis, mec. Hop là. Problème réglé. Alors, fait, je fasse quoi après, par contre? Je vais vérifier. Ça, c'est le genre de truc que j'ai jamais fait de ma vie, c'est incroyable. On met une frappe là où il y a... Ok. Ça a marché ou pas, tu penses? Alors, je suis pas sûr. Mais je crois que oui. Alors le bouclier, putain. C'est bon les gars, on est sauvés, on a le pro de God Covid dans le chat. Genre on a vraiment... ça a été officialisé par Treyarch. Hein. Ils ont dit... Dexter Gaming, c'est genre... le spécialiste God Covid, l'ultime. Je crois que ça a marché, mais je suis pas sûr. Faire des kills jusqu'au bruit, après... crâne dans le feu jusqu'au bruit, ensuite un symbole à shooter avec le boubou. Ah ouais? Faut que je fasse des kills au shield? Genre des kills avec le feu du shield? On va faire ça. C'est pas compliqué du coup en fait, améliorer le shield de Grod. Et donc là, je crois que je... T'avais déjà fait toi, Selecteur, la frappe de dragon améliorée d'ailleurs. Merci Luv Zombie pour le follow. Alors. Voilà. Donc faut juste refaire ça en fait. Ok. Non mais attends après. Oui, déjà fait une fois. Merde. Mais du coup, tu vois Dex, je t'ai fait un truc que tu connaissais pas forcément, c'est la Samantha Soros. Eh hey, ouais, eh hey, ouais. En vrai, Dex, si t'es chaud, pourrait qu'un jour en coop, genre à deux ou je sais pas, même avec Storm, j'en sais rien. Et puis si, ou je sais pas, n'importe, c'est qu'on se fasse en mode... tout ce qu'il y a à faire sur une map avec le secret principal, tu vois, de Grod. Qu'on se fasse un Grod Covid Challenge. Oh, je passe ça te chaufferait. Hop. Allez, tu me fous le camp. Y'a pas un endroit où il y a un spawn rapide? Merci beaucoup, Flecon1 pour le follow, bienvenue. Un endroit où le spawn est rapide sur God Crovy. Tu sais, pour que je passe les manches après. Il faut quand même que je fasse 50 manches au final. Je croyais que tu voulais faire tous les secrets de Samantha. Je me suis dit, mourir lui. Non, 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 God. Oh, t'y es fou. Vas-y, je vais faire un marathon zombie, Samantha. Oh, merci, Elieg. Encore des bits. Un tireur fou, merci pour tes 750 bits qui font très plaisir. Let's go, le bits goal, le DI sub goal, tout. La Tesla, bien sûr, on n'oublie pas, on perd pas le Nord. Allez, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Le couvoir pour aller jusqu'à la manche 50. Ok, ouais, genre ici, quoi. Ça, c'est rapide, en vrai. Parce que ce que je cherche, c'est un endroit vraiment où c'est super rapide, parce que comme j'aurai des dolus bonus, j'aurai tout le temps des machines de mort, ça sera tranquille.
Et moi, ce que je me mettais à l'ancienne, quand la map était sortie, je me mettais au couvoir. Mais qu'est-ce que tu me veux, grand fou? Mais toi aussi, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Vraiment, Nas, Stregun, c'est incroyable. Qu'est-ce que je l'aime pas? Bah, ici, c'est parfait. Bah, écoute, si c'est rapide ici, j'écoute le pro Draxte Gaming. Voilà. Dis-moi que. Pas, j'ai dû le refaire le truc. Attends, je dois le refaire, j'ai pas compris. Bah. J'ai pas compris le truc là. Tu dois faire des kills avec la frappe, sinon ça marche pas. Ah ouais? Mais comment je récupère la frappe? Et comment je fais des kills à la frappe? Si les zombies sont à l'intérieur, je peux tuer des zombies à l'intérieur avec la frappe? Bah non, je peux pas tuer des zombies à l'intérieur. Bah comment on fait? Mais c'est galère du coup en fait. Dehors? Ouais, mais même dehors? C'est une galère de ouf! C'est combien de kills qu'il faut faire à peu près du coup à la frappe? Parce que c'est galère d'en tuer dehors. En vrai. Et là j'ai plus la frappe. Ah si. Et comment tu sais quand t'as fait assez de kills ou pas d'ailleurs? Je comprends rien. Antithèse alchimique, vas-y, je prends au cas où. Quand tu veux que je fasse des kills avec la... Oh, c'est une galère du coup cette étape en fait. En plus c'est à la fin là. Mais j'ai pas du tout tué assez de zombies au final. Oh si, j'ai réussi. Ça va, en fait c'était pas tant de kills qu'il fallait faire. Oh, c'est une galère. Gros, trouvé, c'est une galère en fait. Oh. Oh. T'as vu quel vertige ou pas? Malade, ça assez. Ouais, en vrai, ouais. En fait, j'ai plus le vertige, tu vois, pas un peu pour ma part, mais c'est surtout c'est de voir des gens au bord du vide. Genre, je sais pas, ça me fout le vertige.
pas comment dire. Plus que le shield amélioré, les singes, les gars. Exactement. Donc là, faut que je tue des zombies au shield, c'est ça? Pour le shield amélioré. On va commencer par le shield amélioré. Hop. Genre comment, comme ça? Et Homo, elle est sensible à ça? Pas, je sais pas du tout par contre, Morgane. Je t'avoue que ça... Je vais jamais demander. J'ai rien demandé du coup après. Tuer une cinquantaine de zombies en utilisant l'attaque de feu. D'accord. D'accord, d'accord. Et comment on récupère du feu? Je connais pas, moi. Quand je reprends du feu sur le dragon, est-ce qu'il y a un dragon qui crache du feu? Je peux le charger comme ça? Peut-être, hein. Attends, on va essayer. Eh, si c'est vraiment ça, je suis un génie. Dommage. C'est dommage, c'est pas comme ça. Munmax, ça marche? Au pire, Munmax ou Brockton Boost, pour ça je me suis au pire. Puis eux, vu que c'est la fin de manche, tac! Révélation après, pour la nation planning et tu seras au courant. Hop. Ta-na-na. Parce que je sais pas si t'as vu, dans la cour on était chaud pour partir à un lac, genre aux Alpes. Il y en a un où j'allais avec l'aviron. Dans la cour avec la Flappix Corp. Ils sont des shows, why not? Bah faut voir. Jextorp ou genre TB Flaviscorp, bah écoute, en vrai faudrait voir. C'est vrai que on va dire quelques petits jours de vacances, ça ferait du bien. Mais tu vois, genre ça va encore le vertige pour ma part, c'est pas genre vénère. Surtout c'est quand je suis sur des bâtiments, des trucs comme ça, quoi, tu sais, sur des mais genre tu vois, accrobranche, ça va parce que je sais que je suis maintenu, ça me dérange pas. Pousse-toi. Bah je crois que c'est bon, en fait. Genre c'est bien, mais c'est pas loin en plus. Elle a le vert. Sauf plus le vertige. Et parapente? Bah je sais pas en vrai parapente. Si apparemment tu ressens pas trop le vertige vu que t'as pas les pieds sur terre. Mais ce sera un gros kiff d'en faire un jour. Ah merde, fallait que je reste dans le feu en fait pour cette étape-là. Ah bah je crois que ça n'a pas marché. C'est vrai que je vais faire plaisir à Dexter, mais faut se dire hein, quand même. Le bouclier de Grodd est un des meilleurs boucliers qu'on ait eu. C'est vrai. Prendre ses couilles, ouais c'est ça. Faut que t'es bien dans l'air, bah ouais. Là, ce serait lourd de ouf. Vas-y, je vais me laisser un zombie du coup. Si, on en a fait même pas 2 semaines le clash. Faut juste être là et checker les plannings. Un des plus beaux boucliers, c'est Arek. Voilà, je vais faire plaisir à Dex. Voilà. Ah, parfait. C'est ça du coup, Storm? Faut que je reste dans le feu un certain nombre de temps avec le bouclier, donc plusieurs fois, qu'est-ce que j'entends un bruit? Prends le meilleur les singes, tu verras ça après, Ness. Tu verras. C'est Juju, ça va et toi? On va y arriver. Tu dois faire des kills avant. Bah, j'ai eu un bruit justement, j'ai fait des kills et j'ai entendu un bruit de validation.
Après, oui, c'est ça. Ah, bah d'accord. Du coup, ça doit être ça, maintenant. Puisque je reste un certain temps, je sais pas combien de passages de dragon je dois rester. On a le dragon assez souvent ici, donc ça va le faire. Ah, il me semblait que j'avais fait les kills, à moins qu'il n'y ait pas d'ordre. Et dans ce cas, j'ai eu le bruit de validation quand j'avais le bouclier sur moi, en fait. C'est possible aussi, je sais pas. Mais j'ai eu un bruit de validation, en tout cas. Mais c'était quand j'avais le bouclier devant moi dans le feu, et aussi quand j'ai fait des kills, donc je sais pas trop. 2-3 entiers, d'accord. Ouais, bah, il y a le premier, j'ai pas du tout fait en entier. Donc, à mon avis, là, ça va être bon au prochain passage. Merci, Storm Lulu. Storm Fouras. Ah. Bah, le zombie. Hop, bah. Bah, les gars, restez avec moi. Hé, le dragon, reviens à nous. Voilà. Voilà, je te vois arriver. Oui. Ah, peut-être un peu plus longtemps. En hors de la map à gauche. Ok. Ah! Ah! Donc en fait, j'ai eu les deux validations d'un coup. Ceux qui ont pas passé. Ah ouais! Bah, je pense pour une expérience comme ça, de toute façon, le prix est forcément élevé. J'attendais même que ce soit peut-être un peu plus pour ce genre de truc. Ouais, je me disais bien, en fait, j'ai eu deux validations en un seul coup. Ah, c'est cool, c'est incroyable. Donc là, faut que je trouve trois symboles, il me semble. Je découvre le bouclier, c'est fou. Mon avis, c'est à chaque fois au... Ouais. Là, c'est où? Ok, librairie, on va à la librairie. Non, oh, je veux pas mettre la frappe, désolé. Faut que je fasse aussi mes kills au gigant après, que j'ai toujours pas fait au niveau de mes défis. Alors là, le symbole, je t'avoue ne pas savoir où c'est. Attends, c'était où? On va retourner voir ça à la librairie. Au dépôt. Ouais, gauche. Ah, c'est là. Let's go. Et après, sa tank station. Avec mon magnifique accent, bien sûr, tu connais. Tank station. Niveau de tank, placez-vous à la passerelle et regardez derrière vous sur l'épaule du robot qui se trouve. Ok. Ok, ok. Vas-y, on va aller du coup à tank station. Ouais, Goali, c'est... il est temps que je sorte quand même cette vidéo. C'est le défi contre la montre. Ouais, bon, bah... C'est-à-dire que c'est compliqué actuellement. C'est pas trop possible au final. Merci, The Xorm, pour le follow. Bienvenue. Alors, il me dit sur la passerelle. La passerelle. Et le bras du robot. Il y a un bras de robot à tank station ? Ah oui, d'accord. Après, tu mets dans le cadavre du dragon. Ok. Trop bien les étapes en vrai. Là, tu vois, j'ai bien kiffé, franchement. C'est moins chiant que le bouclier de Shadow, amélioré en tout cas. Si c'était aussi chiant, je l'aurais pas fait, franchement. Il est pas utile en plus ce bouclier de Shadow. Alors que là, je crois qu'il est plus puissant et tout le bouclier. Enfin, il est plus. Meilleure durée quoi de. Oh. Stylé. J'avais jamais vu comment améliorer le bouclier. Je l'avais jamais fait. C'est la première fois. Et là, normalement, les sacs, elles sont rouges. C'est ça. Let's go. Merci Tom pour le follow et merci beaucoup. Et surtout à. Cartman qui lâche son tir. Merci beaucoup mon frérot pour ton sub. Tu fais très plaisir. Bon bah les gars, dernier secret de Gorod Crevy à faire là. Le dernier.
Les singes à cymbales améliorés. Parce que oui, on peut améliorer les singes sur God of vie. Et c'est le dernier easter egg à faire. Après ça, on les aura tous faits. Donc, je vais regarder mon petit guide, bien sûr, de tout à l'heure. Ok. Un pot de fleurs à récupérer. Il y a 4 emplacements. Putain, c'est cool, je suis content. Vouglant, le main, etc. Je suis ultra chaud, même si je vais me chier dessus. Moi aussi, je vais me chier dessus, mais ça me tente de ouf. Bah, je parlerai du coup avec, avec Momo bah, quand on aura fini nos lives. Les singes améliorés, ils ont des, ils ont des AK-47 ou quoi, les singes? Genre, vas-y, Monkey, pendant ce temps, on cherche. Ah bah. Ah bah, bah voilà, premier emplacement, c'est fait. Faut que j'en ramasse plusieurs ou un seul? Récupérer un pot de fleurs. Voici les 4 emplacements. On va retourner quand même à Stupid Dépôt pour voir s'il n'y en a pas un autre. Stormlynx! Ça, j'ai amélioré en disant un gobble. Ouais, ouais. Avec le pouvoir en boîte. Il y en a un par joueur. Ah, bah du coup, c'est bon. Ok, merci Storm. Storm Foisse, notre guide. Vous devez également allumer une bougie en utilisant l'attaque du dragon du bouclier. Puis récupérer avec la touche d'addition. Ok, donc là, les bougies. Attends, on va faire plus simple. 1, 2, 3, 4. C'est où ça, la première? C'est Suppli? Joueur blanc. Ah bah du coup, ouais, ça doit être ça, ça doit être... Attends, côté de la machine à gobble-gum. Côté de la machine à gobble-gum. Non, 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 merde. Shit! C'est ça, c'est ça. Il y a une bougie par joueur aussi, il me semble. Ouais, allumer et récupérer. D'accord. Ok, n'est pas totalement aléatoire puisqu'il dépend du joueur que vous utilisez. D'accord. Vous devez également récupérer les bombes singes dans la boîte magique. Et faire une 40aine de kills avec. Bon bah... Pas le choix, hein. On va essayer de voir des mains célestes. Singe amélioré, j'ai jamais fait de ma vie, c'est fou. Mon deuxième gobblegum de la... troisième de notre cycle, je crois. Vas-y, je paye gratuit, je vais faire tourner mon cycle. Ah, Dolus. On va essayer d'avoir un man céleste. Ah bah non, j'ai eu man, donc faut que, ouais, faut que je refasse tourner totalement le cycle. 40aine de kills avec les singes, mais ça one shot pas en fait. J'aurais dû le faire plus tôt du coup en fait. Je suis complètement con. Il dit beaucoup de fois en fait, j'ai l'impression, non? What? Mon singe il a disparu? Ils ont mangé mon singe. Ah non, il a juste pas fait de bruit, ok. Ah bah super. Antithèse. Cool. Bah ça va être pas mal. Hein. Et Waste Coast, merci beaucoup pour les 5 c'est beau faire la commu. C'est beau faire Tony, Call of Duty, Marzu, Little Blue. Et c'est beau faire également à Dialgax. Insane. C'est carrément incroyable. Merci beaucoup pour les 5 subs West Coast. Mettez-moi de l'émote free sub dans le chat. Et bah je crois qu'on n'a pas le choix que de tuer des zombies là. Prends une max. Ah ma rassante maintenant, fait chier. J'en préfère mune à, des mines avant. Ah mais sinon j'ai les mines au spawn, c'est vrai. Attends, peut-être qu'on va avoir mune max. Mais parce que j'aurai pas le temps de choper la mort instante. Enfin ouais. Vas-y, prochainement je serai serre, mais ça va être chaud, 40 kills avec les singes. Faut qu'on ait Man Céleste en fait.
Donc là, première Gobblegum du cycle antithèse. Parfait. Y'a pas un endroit au paquet sur cette map. J'ai l'impression que c'est dur partout. Hop. Ah oui, en bas de tank, c'est vrai. Pas con, Storm. J'ai tout le temps un singe qui bug, c'est incroyable. Aïe. Parfait. C'est vrai que Wet Tank Station, c'est pas bête. J'avais complètement zappé ça. Deuxième du cycle, c'était Man. Hop, hop là. Oh merde. Oh, Minmax, incroyable. Storm a dit 2-3 singes, c'est good. Ah ouais? J'ai pas vu Storm, désolé. Un bonus apparaîtra, récupérez-le avec la touche d'action. Ah mais du coup, j'ai toujours pas eu de bonus comme c'est expliqué dans le tuto. Donc je pense, à mon avis, je dois faire encore quelques petits kills avec. Et ça va le faire. On essaie d'envoyer plusieurs singes à la fois pour que ça fasse plein de dégâts sur les zombies. Singes, c'est Widow's Wine et tout. Attends, j'ai noté mon cycle. Ah, lourd dead, lourd. On est en train de faire tout ce qu'il y a à faire sur Grodd Crovy. Vraiment tout ce qu'il y a à faire sur cette map. Tous les secrets, tous les crafts. Ah, un petit bonus, c'est ça. Ok. Oh merde. Donc maintenant, faut que je chope un munition max. Aïe, 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 j'ai pas vu lui. Parce que je dois balancer un singe. Et du coup, il me faut des balles. Avec son antithèse, soit Dolus, n'importe. Hein. C'est une gourde, ouais, c'est ça. Exactement, putain, bien vu. Je sais pas ce que je ferai lors de ces soirées du... vraiment sans Storm. Un shopping gratuit. Mais donc là, Dolus... Peut-être pour avoir min-max du coup. Voilà, Dolus. Et Sick Dog Gum Reset. Ça va être un burger. Parfait. Allez, c'est le dernier zombie. Hop. Donc là, j'ai mon cycle de bonus qui reset. Qu'est-ce qu'ils disent là, Kanata et Haki? Encore, qu'est-ce qu'ils nous font? Les graines fous. Alors. Ah, je crois que j'ai chié mon singe là, non?
Y a un truc que j'ai mal fait. Voilà. Voilà. Y a un truc que j'ai dû vraiment mal faire. Voilà. Vous zappez. Lance un singe loin, sinon tu vas mal le vivre, le flambeau. Mais je comprends pas en fait. Attends, je vais faire des kills. Je prends fin de manche, je pense. Ouais, qui je commence à poser des questions. Tyranny. Ça allait, t'inquiète. Y'a un truc que j'ai du mal faire, je pense. De toute façon, j'ai pas fini encore tout ce que j'ai à faire. J'ai aussi mes kills au rayon du gigant à finir. Et j'ai toujours pas fait. Premier défi. Comme ça, j'aurais fait tous les défis. Ah. Oh, y'en a un, il s'est pris des dégâts de je ne sais quoi. J'ai l'impression que le bouclier, ça me permet de pas prendre dégâts des rayons, enfin du rayon. Quoi, ça l'a pas one shot? Merde. Oh oui. Merde, c'est pas ça que je voulais prendre. Hop. J'ai 100 kills à faire avec ça aussi. Bah tu lances un singe sur la tombe, tu interagis avec le flambeau de Koh-Lanta. Ah. My bad. J'avais pas compris l'histoire du flambeau. C'est le truc du flambeau en fait que je comprenais pas. Moi je maintenais carré sur le singe quoi. Presse F to... Ah, exact. Oh, mais oui, regarde, on a une petite bougie et tout, et on a les singes à 5 balles améliorés. J'ai quand même rajouté l'autre truc que je suis en train de faire, là. Faire les 3 défis. Et je crois que j'ai bientôt fini tous mes défis. On a fait celui-là. Dina pas me tuer. Ah, il manque que ça en fait. Wesh! Wesh, t'es quoi le dé? Wesh, j'ai de la grosse. Grosse. Wesh! Ah, oh, j'étais pas prêt, c'est énervé! T'as de la grosse dubstep comme ça qui part. Mec, c'est incroyable! Obtenable avec le gobblegum pour en boîte. Ouais, et nous on fait le secret. Mais trop bien le singe, mais c'est incroyable! J'avais jamais fait, j'ai vu le singe amélioré de ma vie. Et ben voilà. Mec, c'est incroyable! Merde, pas ça que je voulais faire, moi c'est ça. Wouh! C'est un bug le truc pour l'avoir. Ok, c'est un bug apparemment pour en boîte. Et bah les amis, j'ai une grande annonce à vous faire. Remets un singe, vas-y, pas de soucis. Mais attends, mais comme ça tue les zombies, c'est incroyable! Insane le singe amélioré, insane! J'ai envie de vous dire qu'on est presque en train de réussir ce challenge, enfin qu'on l'a réussi! Qu'on a fait tous les secrets de Gorod Krovi. Tout ce qu'il nous reste à faire en dehors du secret principal, c'est un petit run dessus. Donc.
Faire 50 manches. On se donne pas 100 manches non plus, quand même, on est pas fou. Juste un petit 50. Devoir modération m'appelle. Vas-y, merci Storm du coup d'avoir fait un peu de rab chez moi. Merci beaucoup. Bah du coup, let's go. Bonne soirée, merci Storm. Encore merci pour tout. Et bonne soirée à toi aussi, bon courage pour la modération. Mais bah attends toi, qu'est-ce que tu me veux? Ah bah fin de manche. C'est vite fait au moins. Je prévenais du coup mes potes, j'aurai un peu de retard avec les games avec eux juste après ma game zombie. Attends, hop là. Où est-ce qu'elles sont ces Valkyries? Venez à moi. Les singes, mais les singes ils sont incroyaux. Ah, c'est vrai que ça fait spawn des merdes comme ça. Ils sont les derniers là. Oh, t'y es où, The Bee? Oh, le Valkyrie, t'y es fa là. Voilà. Hop. Première gobblegum de la manche, on a quoi? Antithèse, ok. Hop. C'est incroyable tout ça. Bon, au moment là, j'aimerais bien réussir à taper un petit 50 grod. Je sais pas, elle a pris combien de temps les 50? J'espère que le spawn il est rapide, c'est surtout ça en fait qui fait tout, tout un run. Au moins on mange 30, tu vois. Si on soit god, jusqu'à manche 50, ça va être comme ça, quoi. C'est quand que tu fais Moon en entier? Bah, si, Mathias, je fais tous les secrets secondaires de Moon. Hein. Je te le fais en 10 minutes. Sur map de Black Ops 1, y'a que dalle. Y'a vraiment que dalle. Quand god sur. God Covid sur 100, autant le faire sur 10. Franchement, god sur 10, je lui mets un 4. Je suis gentil. Y'a pas un endroit plus rapide là pour faire les premières manches? Je sais pas, ils font quoi les mecs qui font des runs? J'ai l'impression que c'est super lent ici. Ah bah parfait, Dolus. Ah moi j'aime pas du tout Grand Crowy. Je préfère Zelness maintenant carrément. Après on a les manches spéciales donc ça fait un gain de temps en vrai. C'est vrai, vraiment, j'ai l'impression que le spawn il est lent ici. On verra si je me trompe. Hein.
Vas-y, je vais améliorer carrément la dingo pour essayer de faire des liquides divinium. Commande va le petit. Dragon Command ? Ça paraît bizarre, Dragon Command. En fait, faudrait checker sur ZR ce qu'ils font pour les 50 premières manches, les mecs. Ou pour le speedrun 50. Tu vois, genre le world record speedrun 50 manches. Ok, accro. Tu me fous le camp, toi, salopio. Oh non, le charpentier qui m'a spawn dessus. Oh, le seum. Tank station, il n'y a que deux fenêtres. Essaye un pas d'en bas. Vas-y, on va aller checker le leaderboard de ce site dirigé par des enculés. Genre, tu vois, speedrun 50, Grod Crovy. Parfait, petite rediff YouTube du mec en plus. Ah ouais, il se met là. Ah, mais il a laissé des fenêtres, des portes fermées en fait, lui. Ah ouais. Ouais. En fait, les mecs, ils ont fait exprès de garder des portes fermées. Il y en a qui se met juste à côté du piège qui fait aussi pont. Je pense que je vais faire ça parce que là, ça me paraît vachement lent ici. Franchement. C'est vrai qu'en fait, ils se mettent des endroits pas mal. Genre l'infirmerie et tout. Mais ils sont, tu sais, avec la porte fermée. En vrai, je vais tester un endroit. Un coucou sur Twitch, bah bienvenue à toi, Alex. Bienvenue. Là, genre, y a un mec qui se met là, et c'est astucieux, parce qu'il a cette porte-là fermée. Peut-être que, ouais, si je me mets là, ça peut être pas mal. Merci à Tarix pour le follow. Bienvenue. Ah, ils viennent de loin quand même. Bah, c'est le dernier, ok. Et merci Simsi pour le 9e mois de sub. Attends, je refais. Merci beaucoup. Simsi pour le 9e mois de sub. Putain, merci. Let's go, t'es sub quoi, les loulous? Bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup, Simsi. Ah, bonjour monsieur. Va voir ici, mais c'est vrai que ça peut être un endroit sympa vu qu'on n'a pas de spawn derrière nous, tu vois. Et c'est, y a qu'un couloir qui donne ici. Ouais, c'est ici, ça m'a l'air pas mal. Franchement.
Merci Voxy, non? Non, jamais. Merci Voxy. Voxy! Ah, ça a l'air pas mal ici. Ok. Ah merde la nuke. Pas très fofo de la nuke là. Un grand merci à moi-même. Un grand merci à lui-même. Merci Ibis pour le follow. Bienvenue. Bah, je crois que c'est mon premier run sur Gorod Crovy. Clairement. Enfin, mini run hein, parce qu'on fait que 50. Ici, ça a l'air assez incroyable en termes de temps. Hop, fin de manche. Et là, du coup, on amène Céleste en théorie. C'est ça. Le petit man. Et donc là, notre cycle de gomme est reset. C'est toi, Daïs. Depuis tout à l'heure. Hop, tu dégages. Ouvrir la peine spawn que bam. Ah, il y avait nuke dans le tas, j'ai pas vu. J'ai chié. J'ai fait de la merde. Merde. Hop. Fin de manche, j'ai l'impression encore. Ouais. Totalement. Un gobble comme du cycle, putain, Dolus incroyable. Hop là. Trop de chance. Vas-y, on va pas faire 30, on va tenter le 50. Ouais, infection. Va chercher. Va chercher les méchants zombies. Bon, dans ce cas, je connais juste les strats, quoi, en vrai. En vrai de vrai. Un vrai de vrai. Un battle des bateaux, exactement. Hier, je suis allé sur un battle. Incroyable. Une belle voile et tout, franchement. On a eu plusieurs. Voilà. Si on avait eu plusieurs, j'aurais dit des bateaux, mais du coup, c'est un battle. Fin de manche. J'ai un doute. Fin de manche, ouais.
Merci beaucoup Alfie Boy pour les 115 bits. On est presque à la fin du Beats Goal. C'est incroyable. Note anti. Déjà mange 28. Ah, une voile. Oh merde, c'est reparti. Oh fuck. Tom, tom, tom. Bonjour. Pauvre Akira s'est pointé devant moi, c'est délicatement. Chai, bam. Oh merde, c'est ça que je voulais faire. Oh, deuxième tant qu'à faire. Hop là, tu me fous le camp. Tintin. Il y a une autre Valkyrie pas loin. Où se cache-t-elle? Je ne le sais guère. Hop. Il y en a qui viennent de loin quand même, de zombies. Et merci pour le... Accro des atouts. Oh merde, j'ai pris accro. Bah tant pis, hein. On aura juste plus d'Olus. De toute façon, on l'aura d'ici peu. Ah bah en plus, c'est une manche spéciale. Je me suis planté de touches. Bah du coup, je peux refaire tourner un cycle encore. Oh, mais arrête le dragon, c'est pas gentil. Là, on a quoi? Un man céleste serait pas mal. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable, vous, les romans. Qu'on se le dise, c'est insane. Et après ça, Dolus, enfin Shopping pour faire tourner le cycle de gomme. Tu veux demander de mieux? Bonjour monsieur. Aïe aïe aïe. Mais calme-vous les Michel là. Bah c'est lui hein, à la prochaine du coup. Elle a disparu. Impeccable. Comment ça, Matt Military? Comment tu vas? Allez, mange 30, plus que 20. Yeah, c'est assez rapide au final. On a mis même pas 15 minutes pour faire le 15 manches là. Tu veux passer les manches? Parce que le temps que les zombies respawnent, les nukes, ça fait perdre du temps. Bon, pas mal ces petites strats en fait. Tu vas remercier toi, bah ça va, tranquille, écoute. Tranquillement. Fin de manche là encore. Ah non, c'est pas encore, my bad. Merci Nathan Gaming pour le follow, bienvenue à toi. Sur la chaîne. Ah. Bonjour les Valkyries. Oh là là. Oh bah. Impeccable. En théorie, shopping gratuit, c'est ça.
Hop. Enfin d'infection, j'allais me dire, putain, mais c'est quand qu'il spawn, cet enfoiré. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Encore une mort instant, c'est parfait, ça me plaît beaucoup. Ah bah Maxamo. Putain, mon focus c'est fou, je vais tellement speedrun le truc. Bah. Fin de manche en fait là. Exactement, manche 32. Oh bah ça va aller vite en fait, j'aurais fini bien avant 23h30. Un sub égal, un beau mal, exactement. Merci Ethan pour le follow. Et let's go. 10 sub goal, plus que 13. Let's fucking go. Ok, shopping. Et voilà The Killer! Merci beaucoup! Pour le SAD 3 mois, Killer! Je te remercie, au mégaphone! Comment il va le beau mal? Merci pour le reste, en tout cas, ça fait plaisir. Et on est à 8 follow, et 84 000 followers. C'est beau score! Le secret pour l'instant, pour la session challenge, et tu verras. C'est dans le titre! In the title! Voilà. Tu m'as propulsé en arrière, le salaud. Voilà. Allez-vous-en. Ah merde, je tirais trop proche celui-là. Beaucoup trop proche. Il n'y a plus de spawn à gauche en général, ça veut dire que... on a la fin de la manche. Vas-y, attends, je dépense à 8500. Qu'est-ce qu'on a du coup? Encore un man. Ça fait très plaisir. Karma incroyable. En vrai, j'attendais que ce soit beaucoup plus long quand même les manches sur God. Au final, ça va. Moi, je vais voir si on y arrive. Hein. Plus que 17 manches avant la réussite, la possible réussite de ce live. Ralphie, je le fais depuis très longtemps. Ça, c'est juste depuis que j'ai réinitialisé mon PC, j'avais pas remis voice mode. Mais voice mode, attends, je vais dire depuis quand je fais ces voix-là, etc. Normalement, j'ai le active. Ah, on voit pas la date. La licence pro. La licence pro, je l'ai eu quand c'est sorti, qu'il y a eu la promo. C'était genre... début 2019, il me semble. J'étais encore avec mon ancien micro. Tu sais, ça faisait 3 mois que j'avais pas remis le truc, parce que bah j'avais pas... pas remis voice mode sur le PC après avoir initialisé l'ordi.
Bah c'est là qu'il vient les motos, la commu. Il vient de là. Ça ne sert à rien de mentir. Je le sais. Les mensonges comme ça, ça se voit, ça se sent. C'est incroyable. Myrma, vous êtes Tubou. Une des meilleures de Black Ops 3, vous êtes Tubou. Merci à toi pour le follow, bienvenue. Ah, oh là, il y a du monde là. Il s'est bloqué par un putain de truc qui avançait pas là. Voilà, mange 34, mon pote. Vraiment un sub SVP. Oh, comme le bannit celui-là. Voilà, double 600 secondes. Aïe, coup dur. Chia, chia, chia. Exactement. On ne demande pas de sub, on reçoit sur les règles du chat. C'est parfait ça. Ça me plaît. Tam tam tana ta tana. Ah. Voilà. Oh, le charpentier qui fait chier. C'est vraiment pas nice. Pas de manche encore. Exact. 35. Allez, 23h30, grand max, c'est fini, encore. Et encore. Hop là. Ah merde, ça one shot pas dans la tête. Zut de flûte alors. Ah la nuke, non merci. What? Oh, ils sont full. J'ai l'impression qu'il y a tout qui est genoune ici. Allez, un petit Widow's Wine, vas-y. What the fuck? Tu vois, elle passe derrière moi les balles. Trop bizarre. C'est vrai, bien sûr. Planning, hein, les gars. C'est dans le titre. Le planning. Fin de manche encore. Ah, peut-être pas en fait. Oh la vache. J'ai pas vu qu'il y avait autant de zombies qui restaient. Ah, si, fin de manche, j'avais raison. My bad, mi bad. Merci Gandalf le cri pour le follow, bienvenue. 23h30 à peu près, Pépito. À peu près. Hop. Allez, tu bouges toi. C'est toi, Raph. Raph le boss.
Hop. Ah merde. Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Saloperie! Hop. Incroyable les singes quand même. Bon. On voit les règles dans les panneaux Twitch. Les panneaux Twitch, t'as toutes les règles. Si besoin est, mon frérot. Ah mais j'ai plus de shield, c'est pour ça que je me prenais des dégâts tout à l'heure. Oh, toi t'es le dernier, je vais te laisser en vie le temps d'aller chercher un shield par contre. J'avais pas vu. Merci Dark Devi pour le follow, bienvenue. Non, merci mon frérot. Hop. Ah, ça fait des papes le zombie, vraiment. Chier. Chier. C'est incroyable, mec. Ah. Mange 37, let's go. Ah. Yo ton père qui fait du ski, comment ça va? Boum. Non, te mange 100, non, juste 50. Point d'excession challenge. Merci Nat. Bah du coup, semaine prochaine, les gars, ce sera révélation hein, si on arrive à faire la 50. Ou juste qu'on arrive à faire la 50. Ce serait bien. Oh, y'a tellement un poids à l'écran que ça me fait ramer mon jeu, incroyable. Tellement c'est le bordel. Ah. Fin de manche, j'ai juste tué les zombies beaucoup trop vite. Voilà. Non, pas fin de manche. Juste tué trop vite. Hop. Ah merde. Pourquoi ça tire la balle là? Je veux qu'elle aille là-bas moi. Putain mais c'est chiant hein. Ah bah fin de manche de toute façon. Ouais. Exact, 38. Révélation, ça va être drôle hein. Quand on va faire tous les secrets, tous les masques. Les larmes améliorées, les masques, les musiques, les crafts. Ça va être rapide, hein. Ragogou. Allez, venez à moi les Valkyries. Oh, une petite manche rapide là, c'est cool.
qui mène directement à la 40, enfin à la 39 je veux dire. Nickel. Allez. On avance tranquillement mais sûrement. Doucement, tranquillement, mais sûrement, clairement je dirais. Ouais, plus que 11 manches, hein. Et ça allait vachement vite depuis la 21. On s'est mis à la 21 à faire avancer dans les manches. On a même pas mis 30 minutes. Donc clairement, ouais, ça va aller... c'est quasiment fini. Faut juste pas que je me fail, hein, parce que je sais pas, tu vois, encore le Raygun, jusqu'à quoi on peut camper, tu vois, je connais pas trop Gorod. C'est ça qui va être compliqué. J'espère que ça va aller. Parce que si je fail alors que j'ai réussi tous les secrets, t'imagines, genre je plante vraiment à la toute fin. À la manche 49, un fail. On doit tout recommencer la semaine prochaine. Donc, recommencer le Samantha Soros. Ah, c'est le but, Ralphie. Mais pour l'instant, je prends pas, tu vois, je m'en suis servi vite fait. Mais au final, c'est aussi rapide sans Dolus, du coup. Non, peut-être quand même pas. Peut-être qu'on essaie de choper Dolus après. Pour les manches un peu plus élevées. Tu sais, au moins histoire d'être, d'aller, de speeder un peu. Moi après j'ai envie d'aller sur Destiny là un peu. M'amuser avec les copains. En plus ça a plus recul le trou noir, c'est incroyable. Oh bah. Un karma incroyable là. Hop là. Ah. Fin de manche ça je sens. Exactement. Manche 40 les gars. Let's go. Plus que 10. Vas-y Nat, bah mets-toi dans le truc live au pire. Normalement t'y as accès je crois. Il me semble que t'as accès au truc, au vocal live. Je peux te mettre directement dedans. J'ai pas... Ah ouais? Comment ça tu n'as pas? Dans le truc VIP là? Modifier la catégorie. C'est pas que t'as fermé la catégorie, genre t'as cliqué pour la fermer, parce que tu peux, tu sais, faire apparaître tes catégories et tout. Analyse qui fait dédicace à Tyranny, Aki, Gogu et Nat. Et à toi, Flap. Merci beaucoup pour cette liste de courses. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Abdel? Attends, j'avais pas... Ouais, c'est ça. C'est, tu peux, tu sais, refermer les catégories pour que ça soit plus visible. Tu sais, que t'es que les salons qui t'intéressent, au final. Oh, merde, putain. La nuke. Non, pas nice. Non, encore une nuke en plus, c'est incroyable. Me pop à la gueule. C'est une liste de course, ça, j'avoue. C'est une mini liste de course. Ce sera pas pire que mon jeu vidéo, je crois qu'il nous avait littéralement mis quasiment tout le chat. C'est incroyable. Bah attends, mais je me rassemble, qu'est-ce que je me fais chier? Oh non, la mort instantanée! C'est bon, c'est passé. Right through.
Ah, j'ai ma touche S qui commence à rebugger. Donc ouais, c'est vraiment un problème de mon clavier. Fais chier. Bah let's go. Mange 41. Clairement là on a fini en 10 minutes à ce rythme. Clairement. Surtout qu'on a une manche Valkyrie aussi entre temps qui va arriver. Hop. Mort instant en plus. Incroyable. Les doubles points, les morts instantés que ça part, les mun max, tout. Ta-na-na. Ah putain la nuke. Fuck and fuck. Vas-y, je reprends une mort instant comme ça. Bon, il y en avait une là. Il y en avait une juste ici en plus. Ah, machine de mort tout là-bas, regarde. Que c'est dommage. Merde. J'ai cliqué en dehors de l'écran. Ah, mon cadre. Faut que je le recentre. Où est-ce qu'il est? C'est chiant, ça qui est chiant avec Black Ops 3. Overlay 2020. Tac. C'est dans quoi? C'est dans transformer. Ouais, transformer. Et je crois que c'est adapté à l'écran. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Je sais plus. Hop. Ta-na-na. Oh, la musique de trop, qu'est-ce que je la kiffe. Trop. Un peu trop petit, j'ai l'impression. Là, ça m'a l'air pas mal. Là, il m'a l'air bien placé. Vas-y, je vais le verrouiller, du coup. Et j'ai bloqué, du coup, mon curseur dans Black Ops 3, parce que j'ai ce problème-là avec Black Ops 3. Comment je sens? Non, non, on fait juste 50. Pour l'excitation challenge. Voilà, le moins. Mon curseur ne m'embêtera plus. C'est le prix de curseur. Ah bah, fin de manche encore. Exact, putain, déjà 42. Non, la machine de mort, j'ai pas eu de temps. Quel dommage. Ah, double nuke, t'y crois toi? Yes, une mort instant. Parfaite, puisque j'avais besoin. Un min max en plus pour refaire du coup mes Widow's Wine. 1x2 pour me faire des points. Oh putain, la nuke. Qui me spoon dessus. C'est vraiment pour nice. La munition max, pourquoi pas, mais bon. Bon, instant. 6x2. Bon, Delus, c'est une des gobblegums préférées maintenant. Un des gobblegums, une, je ne sais guère. Je ne sais guère. Ah, parfait. Tellement focus, c'est fou, je suis désolé le chat. Parfait, 43. Tiens, les films dédiés, j'ai pas vu. Dédicace à Fabrice, je sais pas qui c'est, mais dédicace à lui. Et bah, de la part de Tyranny, dédicace à Fabrice. Vous êtes bizarre, monsieur, là, hein. Clairement, vous êtes vraiment bizarre. Fabrice, c'est un nouveau bon mal, ça, je reconnais, c'est un nouveau membre de la commu. Merde, je me suis chié, c'est un nouveau membre de la commu. Merci, Tachi, pour le follow, bienvenue.
Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent voir autre chose, là, que je sais pas, me voir camper comme une merde là dans mon coin, je rappelle qu'il y a ma copine qui est actuellement en stream. Donc si vous voulez check son stream, n'hésitez pas, je vous envoie ça dans le chat. N'hésitez pas à aller sur live de ma copine Mini Red, là, pendant qu'on est en train de... Bah, de camper, quoi, clairement. Dans en mode comme un noob, un gameplay inintéressant, mais bon, au moins, ça m'assure le manche 50. Et c'est tout ce qui m'importe. Mais donc, voilà, n'hésitez pas, hein, si vous faites chier dans du zombie. Allez, check live de la coupine. De la coupine. Oh merde. Voilà. Je me fous le camp. Hop là. Ah bah encore une nuke, c'est pas possible. C'est incroyable. Tu les live dès la coupine. Allez la follow. Lâchez vos subs et vos bits chez elle, bien sûr. Faut la ralasse. Faut mettre l'appart en Tesla, bien sûr. Ah putain, mais ça me saoule une qui pop sur ma gueule. Oh, ça me casse les couilles. Enfin, mange ça, ouais. Hop, pas se faire chier. Hop là, on mange tous les bonus. 44, plus que 6 manches pour finir le gameplay. Merci pour ton Vita. On t'a eu de fatigue, mais va dormir, Ago. Si t'attends pour le Discord, on pourra se le faire demain. Parce que bah, après, j'ai des signes aussi qui m'atteignent. Comme je suis mon live à 2h, si t'es fatigué, tu vas me faire un gros dodo. On va aller faire un gros dodo. Oh merde. Hop. Oh putain, elle m'a arraché la gueule. Oh putain, il y a Fake Pix. Il y a le fake, ça y est, il est de retour. Il est de retour, le fake. Incroyable. Ouais, il y a trop de Valkyrie, je sais plus où donner de la tête. Ce massacre que je viens de faire là, quand même, c'est incroyable. J'ai entendu une Valkyrie, j'ai pas où les passer, je tirais partout, c'est n'importe quoi. Pas de mort instante là! A l'aide! Ok, super, mon trou noir a disparu en fait. Voilà, c'est ça que je veux voir. Putain, on a galéré à avoir des bonus là. Ah bah fin de manche, 45. Incroyable mon ami. Oh Dolus, c'est parfait. Quand bien finir la game. Sans bouger mon pote. Ah. Ah tu vois, il commence à montrer ses faiblesses, hein, le Regen Mark III, la 45. Oh, c'est l'arme spéciale de la map. C'est dommage. La Wonder Weapon. Ça, je trouve pas ouf, le Regen Mark III. C'est que tu remarques vite sa faiblesse. Enfin, le fait qu'il a pas beaucoup de dégâts. C'est pour ça que j'ai réussi bien, c'est que j'ai DMC en fait. Du coup, c'est pour ça que
que je réussis en first try le 100% challenge de Gorod. C'est comment grâce à NMC. NMC c'est le meilleur quoi. Tu le sais bien évidemment. Voilà, mais c'est un bordel là. Parfait. Ça me plaît. Dites-moi un stand, c'est cool. Ça me plaît, ça me fait plaisir, c'est bien. Faut juste qu'à la nuque elle bouge. Remarque. Remarque. Oh oui. Mange des Valkyries en plus, histoire que ça aille encore plus vite. Ah, bonjour monsieur. Ouais. Venez les Valkyries, je vous attends. Toi tu rends pas les nukes, ça ralentit le spawn les nukes. Moi je veux que ça aille vite, que ça fuse. J'arrive pour Gorod. Ah t'arrives pour la fin malheureusement Zulu. On a fait tous les secrets de Gorod. Mais vaut mieux tard que jamais, au moins tu as un petit peu de cette Gorod Provi. Bah tu es où monsieur? Valkyrie, il est bugué hein. Pile quand je dis que je commence à apprécier Gorod. Eh, flemme d'aller chercher Minmax. Oh, il est venu à moi, putain. Ok. Je savais pas que ça se passait comme ça. My bad. Plus que 3 manches pour la réussite du challenge. Plus que 3. Sinon, Zululu, comment tu vas? Merci Xinarius pour le follow. Bienvenue à toi. Bienvenue, mon frérot. Et plus que 7 followers pour les 84 000. Ah, tu vois, le Regen Mark 3, il est déjà claqué à la 47. C'est chaud, je trouve, pour une Wonder Iphone. Oh là. Il me fait peur, lui. Voilà, parfait. Enfin, un bonus qui m'intéresse. Un deuxième qui m'intéresse. Vas-y, moi, Rassan, je peux attendre un peu avant de la prendre. Tranquille, man. Hop là. Ah, tu meurs, toi. Oh la merde. Oh, la nuke qui me pop dessus, fuck. Vas-y, hein. On va manger tous les bonus. Oh, tellement il se passe de trucs à l'écran, ça fait bugger mon jeu, c'est incroyable. Un délire. C'est sûr qu'il y a assez de bonus. Non, il y en a pas assez encore. Plus. Il m'en faut plus. La machine de mort. Quand est-ce qu'elle apparaît? Allez, tout au fond là-bas, flemme. On aura bientôt une de machine de mort. Mort instant, je veux dire. Mais oui, en plus. En plus de ça, mon pote. 48, let's go. Et j'ai dit 23h30 au final.
Plus de chute de FPS, c'est incroyable, tellement les trucs à l'écran. Ouais, Skitch! Plus de bonus car c'est notre projet! Comment ça va? Skitch Game! Regardez, fois 2 toute la manche, c'est fou. C'est trop bien, c'est trop bon. Vive Dolus Bonus, les gars. Meilleur Gobble Game de l'histoire. C'est cheaté, c'est pas les cheats, mais on bat les couilles. Ça n'empêche pas de prendre du plaisir avec cette gomme. Cette gomme incroyable. Oh oui, ma machine de mort. Qui me spawn dessus, voilà, j'aime bien. Je vais faire ça plutôt que les nukes, tu vois. C'est putain de rapide ici, c'est incroyable. On a vraiment trouvé une strat de ouf. T'as entendu la Valkyrie chargée pour me tirer dessus, même pas eu le temps qu'elle s'est fait défoncer mon pote. Hop. Petit mec Samo, pourquoi pas, écoute. Ah, c'est Dolus Bonus qui fait tout, qui fait la rapidité du gameplay. Et des manches. Et le retour de la mort instant alors qu'on en avait plus, c'est incroyable. Allez, tu dégages. Tiens, c'est que même les broyeurs russes se font one shot par les morts instant, et ça c'est bien. Fin de manche. Exact, mon pote. Et bah, dernière manche, les gars. Vous allez faire un raid. Ouais, après, on va partir en raid Destiny. A plus, mec. Vas-y, bonne soirée, West Coast. Puis merci encore pour ce soir. Gros bisous à toi. Attends, je peux déjà transférer les frérots quand même. Les pauvres, ils sont tous là. Hop. Les mettre en VIP aussi. Voilà. Tous VIP les loulous. Allez. Dernière manche pour voir si on y arrive. Bon, Flap, je te laisse tranquille. Finir cette manche 50. Pas de soucis, Voxy. Gros bisous, mon Voxy. Bisous sur tes deux fesses, même pour pas que l'autre soit jalouse quand même. On pense à tout. On est gentil. Voilà, doublement instant. Oh merde, la nuke. Shit. Hop. Si on quand même si je sais pas hein, les loulous ce soir dessiné avec moi qui baisse. S'ils sont kick du salon, je sais pas, AFK ou je sais pas quoi, ils peuvent pas rejoindre le salon après, ils sont pas. Voilà, ils sont pas les droits, c'est bon. Les amis de mes amis sont mes amis, donc c'est des VIP. Voilà, désolé, je vais être focus sur la game pour pas faire ce genre de conneries à prendre des nukes. Fuck! Je veux être focus sur la game pour être sûr de faire la manche 50. Qui va finir tard, vers 2h du match, je pense, The Lulu. Je crois que cette semaine, Kushi voulait me faire faire Riven, si j'ai pas de conneries. Je sais plus ce qu'il voulait faire. On verra bien de toute façon. Je vais être équipé de pro, ça va être bien. Allez, on envoie le bout, les amis, de ce Grotte Crovy. On va quand même réussir à faire tout ce qu'il y a à faire sur cette map, dont un run. Ah, c'est pas fou, par contre. Voilà. Voilà, Death Machine, parfait. Merci pour le follow, GDJXZCT. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. Ton pseudo était dur à dire. Et let's go! Incroyable!
Ça y est les gars, c'est fait. On a réussi. Attendez, il faut quand même que je mette à jour le challenge là. Pour dire que c'est officiellement fait. Merci Ralphie Boy pour le sub offert Lexi. Merci beaucoup pour ton sub offert. Ça fait plaisir. Let's go les gars, plus que 10 subs pour le daily sub goal. Plus que 10. Go péter ça pour quand même le 100% challenge de God Crovy. Je vais vous mettre une PLS niveau n'importe ce que vous voulez dans le chat. DGG, spammez tout. Attention les gars, ça va être validé dans peu de temps. Je finis la commande. Et voilà, la commande challenge est à jour. On fête les 50 manches, merci beaucoup Ralphie. On y fête avec de la grosse musique. Et en plus, attends, en 0 down, on en a fait God. Attends, on a même pas sorti le gang Siegfried à ce manche. Même qu'on le sorte. Un petit peu tout de même. Vas-y, on se laisse mourir ou pas? Non, vas-y, je vais m'arrêter là. Je vous rassure, le live, il est pas fini, hein, les gens. Question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Vu que tu as fait Call of Duty sur PS3, tu te sens chaud de faire des signes sur PS3? J'ai déjà fait, bah j'ai commencé sur PS3. Non, 360 j'avais fait. 360, il me semble. Je sais plus. Oh, je sais plus. Bon souvenir comme les Samantha, exactement comme les Samantha, de très bons souvenirs. Hein. Allez. On s'en fout de nos gobblegums, les gars. Et on va décaler sur mon jeu préféré quand même. Les gommes, c'est quoi des gommes et gommes dans une vie? Quand on en est limité. Trois liquides, ça va me permettre d'ouvrir vite fait. Là, je suis content qu'on ait fait God. Clairement, là, je suis super content. Bah écoutez, les gens, hein, si vous étiez du coup sur la rediffusion, parce que oui, effectivement, il y a une rediff sur Flapix TV. Effectivement, si vous étiez dessus, bombardez-moi la barre des likes. Mettez-moi la barre des likes en PLS, s'il vous plaît. Non, là, qui j'ai toujours dit que c'était signé. Après, c'est après, ouais. Voilà, mettez-moi en PLS la barre de likes, s'il vous plaît, Flapix TV, pour cette rediff. Ce truc incroyable. On a fait tout ce qu'il y avait à faire sur God Crovy, les défis, les crafts, les améliorations, un run. On a fait tout ce qu'il y avait à faire en dehors du secret principal. On a fait tous les secrets secondaires. Je compte sur vous du coup FlapixCV pour exploser cette barre de like. Bien sûr, si t'es sur FlapixCV, abonne-toi si tu kiffes le mode zombie. Et si t'es toujours pas abonné, t'active la cloche de notification parce que sur FlapixCV, t'as une nouvelle vidéo custom zombie tous les mardis et jeudis à 18h. Et t'as une vidéo de ce genre tous les samedis à 14h. Donc merci FlapixCV d'avoir visionné cette vidéo, enfin cette rediffusion. Sur ce, présente-vous. Puis bah à la prochaine YouTube.